Un record, 16 personnes. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. Bonjour. Bonjour. Salut Didier. Salut Didier. Salut Didier. Salut. Dans les rangs, il manque. Ouais, merci Michael. Comme d'habitude. For the English speaking people, you should look at the chat. I will try to translate the important stuff, but only French to English, not English to French. Ce soir, il y a au moins trois exposés brillants. Celui de Patrice sur Recruitment Online, celui de Grégoire sur Auric HR, et Jérôme, quand il sera là, ce que je ne crois pas l'avoir vu dans les présents. Si, je suis là. Je suis connecté deux fois. Et donc, comme pour les dernières fois, la session est enregistrée, donc ceux qui ne veulent pas apparaître sur la vidéo ne coupent pas coupent leur caméra. Donc, je propose de commencer par Grégoire. Donc, moi, je vais vous présenter un petit outil que j'ai développé en langage C#. Alors, je vais tenter de partager l'écran. Voilà, donc. C'est un outil qui principalement permet d'explorer la zone mémoire haute résolution de l'ORIC. Donc, il simule l'affichage du mode iRes. Bon, les principales fonctions, c'est donc l'exploration de l'écran graphique avec l'affichage des codes, des octets. Donc, soit en décimal, hexadécimal ou binaire. Et ici, on peut voir le sprite du jeu Mr. Wimpy, donc sous sa forme vocale. Vous m'entendez là? Oui. Oui, très bien. D'accord. Ensuite, il y a une fonctionnalité de récupération des listings de la zone sélectionnée à l'écran. Voilà pour les différents langages, les principaux langages. C'est basique assembleur. Donc, ça facilite l'intégration dans un programme ou un jeu. Voilà. Et puis, il y a la fonctionnalité aussi, une simple fonctionnalité d'édition en mode pixel, quand même, pour pouvoir faire quelques modifications. Et enfin, il y a en cours de développement la possibilité d'importer des images au format PNG, BMP, JPG, avec le réglage des canaux pour régler pour l'instant le contraste, pour accentuer le contraste, voilà, ou le descendre. Voilà, et les quelques autres fonctionnalités, c'est undo, redo, la grille de repère en format OP, une petite fonctionnalité de remplissage en mode AIC, et puis une mémorisation, la possibilité de travailler sur 10 écrans possibles. Voilà. Et donc là, en bas, c'est le lien pour le télécharger. Voilà, donc là, je vais montrer un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez là l'écran. Donc là, on voit l'application avec donc la possibilité d'ouvrir des captures d'écran. Là, par exemple, j'ai récupéré des sprites qui viennent de la Super NES. Et donc voilà, on a la possibilité de récupérer à l'octet près les zones écran. Là, on voit que le personnage est un peu décalé, vous voyez. Il y a la partie du nez du Schtroumpf qui dépasse, donc on peut faire un petit scrolling pour le caler correctement. Voilà. Et donc, comme on l'a vu précédemment, on peut obtenir le listing ici. Voilà, enfin, c'est assez simple comme outil. Pour l'instant, il y a un nombre réduit de fonctions. Et donc, l'importation de fichiers graphiques, enfin, bitmap,
Voilà, ben je, hop, ça vient de. J'ai récupéré sur Internet. Voilà, donc à gauche, on a la vue sur la mémoire écran. Et voilà, quand je sélectionne une zone dans la mémoire écran, sous forme d'octet, j'ai ce qui correspond à droite. Voilà, il y a la correspondance directe entre le graphique et les valeurs octales, les numériques. Voilà, donc c'est à peu près tout. Voilà, on peut bien sûr sauvegarder, puis modifier un outil de modification de base. Mais bien sûr, on peut échantillonner une image. Je suppose c'est du GIF ou quelque chose comme ça, en fait, du bitmap. Ou... Oui, voilà. Là, si je prends une image en JPEG, par exemple, voilà, je peux échantillonner l'image et augmenter le contraste pour parce que là, par défaut, c'est pas assez prononcé. Voilà, par exemple. voilà, donc là, je suis en train de développer cette fonctionnalité. J'aimerais pouvoir ajouter la fonctionnalité de couleur AIC, mais hélas, je ne connais pas du tout l'algorithme de conversion pour l'instant. Voilà, donc là, on retrouve la grille pour se repérer au niveau des octets. Et puis, la fonction remplissage AIC. Voilà. Voilà donc pour cet outil, si ça peut aider certains à leur développement. Ça a l'air franchement génial. Et du coup, tu t'es retapé une émulation de Lula pour l'affichage correct des groupes de 6 pixels et compagnie, hein. Oui, par moi-même, j'ai essayé de trouver j'ai cherché à l'émuler, j'ai passé pas mal de temps. Donc, ça émule l'affichage et ça n'émule que le code spécial de clignotement, mais pas les autres codes de changement de fréquence. Ça émule l'inversion vidéo ? L'inversion vidéo, oui. Okay. Et donc, mais pas le. Pas les codes spéciaux de fréquence. On peut aussi remplir des zones écran par une valeur en bloc. Est-ce que ça émule les modes mixtes aussi? Non. Tu veux dire texte graphique? Oui, mélangé. Donc, ouais, non, ça, moi, je suis... Je suis resté que sur l'interprétation bitmap, en fait, des octets avec la zone de 8 kilooctets de mémoire représentée graphiquement en haute résolution. Voilà, donc, voilà à peu près. Et là, j'ai un changement. Voilà, je peux changer d'écran. Je peux sélectionner une partie de mon écran ici. Voilà. Okay. Et puis, je peux coller sur un deuxième écran à l'endroit que je désire, à l'octet près. Voilà. Après, bon, je peux toujours faire des scrolling au pixel près. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'était d'avoir la reprise en temps réel, les deux aspects, l'aspect numérique de la mémoire et le graphique. Donc, ça permet de voir en direct les changements et de bien comprendre. Comment c'est codé, notamment pour mieux comprendre la version vidéo, parce que je peux aussi avoir l'affichage en mode binaire, voilà, ici,
Donc, on revoit la zone sélectionnée en mode binaire. Et là, on voit que, par exemple, sur le septième, enfin le, oui, le septième bit, il est à 1, donc ça veut dire que c'est du bitmap. Et donc là, je peux par exemple inverser aussi, je peux supprimer le bitmap, parce que dans certains programmes, c'est utile de ne pas avoir le bit 7 d'allumé pour faire des opérations plus facilement sur les bits. Et donc là, j'ai aussi la possibilité d'activer le bit d'inversion. Enfin voilà. Mais je rajouterai quelques fonctionnalités, notamment inverser, faire une inversion logique comme le mode XOR, enfin, ou exclusif. Donc voilà cet outil. Et donc, je sais pas si vous avez vu les téléchargeables. Voilà. Donc, je pourrais remettre le lien là dans le chat. Voilà, bah, si vous avez des questions, j'ai terminé. Déjà, il y a vraiment un paquet de fonctions, hein, je trouve. Hein. Alors, oui, ça reprend en fait le. Enfin, ça ne reprend pas, mais c'est. Quand j'ai commencé à le développer, j'ai découvert qu'il y avait Schema, il y avait aussi un outil qui ressemblait au mien, qui est l'Oasis Room Editor, il me semble. Et bon, c'est ça. Il y a pas mal de similitudes, mais là, le mien est peut-être plus orienté vers le codage, enfin l'affichage de l'écran en mode numérique, voilà. Et aussi l'exportation des listings. Je pense pas qu'il l'a dans son application. Mais enfin, les deux outils se complètent l'un l'autre. Hein, je pense. C'est bien d'avoir les deux. Ça serait pas très compliqué de rajouter le support du mode texte, les fontes, la zone des caractères, c'est exactement le même format que le format IRS, juste que tu n'as pas les attributs. Parce qu'en fait, ça permettrait de s'en servir comme éditeur de sprite pour tous les jeux qui utilisent des caractères pour les sprites, mais aussi pour éditer des fontes. Ah oui. Oui, c'est vrai, ce serait possible. Et une fois que tu as fait ça, après, pour rajouter les modes compliqués, ça devient trivial. Les alternances, les modes compliqués avec du texte et du graphique, c'est compliqué dans la tête, mais une fois que tu as posé les trucs sur papier, c'est « Ah bah ouais, c'est évident, en fait. » Ouais, c'est vrai. C'est quand même... la structure, c'est assez simple. Au fond, c'est assez simple. La logique est assez simple. Mais c'est vrai que le fait de... Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre le codage de l'écran, le changement de couleur, c'est-à-dire que en fin de ligne, ben, le codage de la couleur disparaît. Il n'est pas répercuté sur la ligne suivante, enfin, des choses comme ça. Oui, bon, en fait, c'est une machine à état. Il y a des choses qui sont valides sur la ligne et d'autres qui sont valides sur l'écran et d'autres qui sont valides d'un écran sur l'autre. Mais après, c'est consistant. Ça, il n'y a pas de règles mystérieuses qui sortent de nulle part. Ça marche toujours pareil. Ouais. Ce qui est une bonne chose. Je me souviens quand j'ai cassé Euphorique à Fabrice, c'était tout... quand la première fois, j'ai sorti mon mode... mystérieux texte RAS pour une raison étrange et mystérieuse, Euphorique affichait une bande de blanc sur la seconde moitié de l'écran à gauche. C'était juste un bug stupide. Je sais même pas comment c'était possible en fait. Il y a juste le codage du clignotement qui fonctionne hein, comme effet spéciaux. C'est le code 15. Ce serait intéressant de voir sur ton outil l'image de chargement de Manic Miner. Oui. Cette image, elle est magnifique. En utilisant l'inversion vidéo, sans aucune animation, ils arrivent à afficher Manic Miner, Manic Miner. Ah, d'accord. Oui, en jouant peut-être sur les
Peut-être le mode inverse. Le mode inverse plus clignotant, avec une partie qui est en commun entre le mot manique et le mot miner, qui reste apparent dans les deux cas. C'est super bien fait. Ouais, j'essaierai de le récupérer, cet écran. Ouais. Voilà. J'ai terminé ma petite présentation. Là, c'est comme dans le casse-brique, je crois qu'il y a loading, programme, ça clignote entre les deux. Il s'appelle, c'est pas magnétique, mais Pulsoid. Ah, il y a le même, il y a la même chose en Pulsoid, ouais, je confirme. Oui, Pulsoid, c'est ça. Et puis, je crois que dans l'écran de chargement Loriciel, il y avait quelque chose qui clignotait, non ? Dans Loriciel, quand il y avait des programmes Loriciel. Ah, ça ne me dit rien, ça. Avec le chat, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le chat, le logo Loriciel. Oui, mais enfin, de mémoire, il n'y a pas de. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment d'écran animé Loriciel. Et comment tu t'en sors quand, parce que là, si je comprends bien, tu arrives quand même à faire du déplacement vraiment pixel par pixel, donc bit par bit. Ouais. Quoi, tu fais et comment tu t'en sors avec les attributs dans ces cas-là? Si tu embarques un attribut dans ce qui est décalé de... Ben, l'attribut ne se décale pas, lui, hein, pour l'instant. Donc là, d'accord. Si je fais un décalage, vous voyez, au pixel près. Voilà, ça n'embarque pas l'attribut. D'accord. Oui, parce que c'est pas gérable. Enfin, là, pour le coup, ça paraît compliqué. Quoi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça permet de voir un peu comment ils ont programmé leur affichage. On voit que ce sprite-là, il vient de la gauche parce qu'il a laissé une traînée derrière lui de couleur 6. Et voilà, on voit qu'il a. Oui, sa trace d'effacement. Voilà. Et parce que, bon, c'est que des 6, donc il n'y a rien qui apparaît à l'écran, hein, mais il y a la couleur dont se répercute après, le bleu ciel. Voilà, et puis on voit qu'à droite, bah, c'est resté 64, c'est la valeur de. Écran noir, écran bitmap vide, enfin octet bitmap vide. Voilà, donc ça. Donc là, il a utilisé des sprites avec le codage de la couleur juste avant. Voilà, pour le personnage. Donc, je peux recopier. Puis j'ai le listing et là, on peut avoir le listing en binaire. Voilà. Ça peut être pas mal d'avoir des sprites comme ça en binaire, parce que dans ces programmes, on voit un peu ce que ça représente en fait. On voit un peu l'image du personnage là dans le binaire. C'est plus représentatif d'un objet graphique, le binaire, c'est plus proche. Ouais. Puis bien sûr, bon, il y a des fonctions de zoom. Je peux zoomer. Est-ce que c'est un chien ou un lapin ou une souris? Il y a un chien. T'es trop terre à terre, hein, c'est une bestiole, quoi. À la jaquette de Ratsplat, je crois que c'est le Lord Clive Sinclair qui représentait ça à l'image. Des fois, ils font des petits clins d'œil aux concurrents.
Je crois qu'ici, ce personnage de l'aigle d'or, il a des couleurs qui suivent un peu le graphisme. C'est sur. C'est-à-dire que là, il a, vous voyez, des couleurs en plus derrière. Le 2, le 1, voilà, il n'est pas. C'est pas un rectangle. Ouais, bah, bravo en tout cas. Franchement, je suis admiratif. Ça, je pense que ça va être ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir importer les images en couleur et puis régler les faire des réglages sur les le contraste. Parce que bon, ça peut être un plus par rapport à l'outil en ligne de commande qui est parfait déjà. Voilà, ça peut être un plus d'avoir une preview directement graphiquement. C'est sûr que sur des images comme celle-là, là, de Pusoïd, des fois on se demande comment il faisait, hein, Jonathan. Ouais. Je crois que c'était O-Type. Ah oui, pardon, O-Type, oui. Voilà, donc là, il y a. Effectivement, ça peut voir. Il a joué sur les modes sur l'inversion et sur. Et sur les lignes. Les lignes. Ça donne l'impression qu'on peut colorer chaque pixel individuellement, alors que ce n'est pas vrai. Parce que là, on voit, il a changé de couleur pour mettre du bleu ici. C'est impressionnant. En fait, il s'était fait son outil Jonathan sur Auric, pour le coup, qui ressemble un petit peu au tien dans l'esprit, qui s'appelle Hide, et qui permettait d'afficher une fraction de l'image et en dessous, effectivement, l'état des bits de chaque octet. Quoi. Et modifiable individuellement. Merci Grégoire. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à remontrer encore. Après, effectivement, je peux montrer un autre. Après le sprite, j'ai animé un petit sprite. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, donc grâce à ça, j'ai pu animer, voilà, mettre mon graphique dans mon programme et j'ai fait bouger mon sprite. C'est Debug qui m'a aidé à optimiser mon programme et voilà, Assembler. Et là, j'ai fait un décalage, enfin, comment dire, un flip horizontal du graphisme, c'est-à-dire le sprite, il n'y a pas de sprite là, mais c'est une inversion en temps réel, voilà, avec une inversion logique, voilà, des octets, des bits. J'aimerais pouvoir continuer faire un personnage qui marche, par exemple, qui gagne une animation. Et Debug m'a beaucoup aidé à développer ça. Ok.
Après, je lance un petit appel. S'il y a des gens qui ont des projets de petits jeux vidéo, moi, je suis, là, c'est la partie graphique en fait qui me plaît beaucoup. Donc, s'il y a des sprites à dessiner, je suis un peu passionné de ça. Voilà. Merci, Grégoire. Merci. Ouais, merci et bravo. Merci. Bon, j'espère que j'ai pas écrit trop de conneries. On est une quinzaine ce soir. Je vais en profiter pour faire un rapide tour de table puisqu'il y a quelques célébrités autour de la table. Donc, on fait un petit tour de piste très rapide. Hein. Il faut pas qu'on. Et avant de passer à la présentation de Patrice, pour online, je vais aller dans l'ordre de mon écran. Donc, on a vu Grégoire. Après, on verra Patrice. Donc, il y a Kenneth. Bruno. Tu lèves la main. Michael. Donc Fabrice, bienvenue Fabrice, heureux de te voir parmi nous. Bonjour tout le monde. Baz, on s'est déjà vu la dernière fois je crois. C'est Miguel, je ne me souviens plus. Toc toc toc, Patrice, Le Vian, Jean-Baptiste, notre mathématicien. Gilles, bonjour Gilles, bienvenue. Merci, bonjour. On ne s'était pas vu les autres fois. Hein. Non, parce que j'ai réanimé mon Auric assez récemment. Au vieil Auric de 83. Très bien. Oh. Un original de 83. Oui, du 25 mai 83, quand j'avais 15 ans. Ah, félicitations. Simon. Avec le rond vert. Jérôme qui parlera tout à l'heure avec le rond rouge. Android Market, je ne sais pas qui c'est, Gergère, et puis Auric Puceau, qui est donc… C'est Steve. Ouais, Steve, ouais. Ouais, comme Steve, merci. Steve Marshall, ok. Voilà, donc c'est très bien. On fait ça le comble pour Auric Lutron Online, tu vas Je vais présenter mon écran. Alors... Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais passer en plein écran. Je vais vous présenter donc auricutron.js. Donc, c'est une version d'Auricutron qui tourne dans un navigateur web. En fait, j'ai juste fait le portage, ça n'a pas été très long, on va le voir. L'idée au départ, c'est que j'avais envie d'avoir Auricutron sur un émulateur Auric en tout cas sur mon iPad. Et j'avais déjà essayé de porter Auricutron sur iPad avec les outils d'OS X, mais c'était une horreur. Et en regardant des émulateurs web, donc il y en a plein là, il y a plein de listes d'émulateurs web. Je vous donnerai le lien de la présentation après si ça vous intéresse. Je suis tombé sur un émulateur Mac qui fonctionnait sur à peu près tout, y compris sur mon iPad. Et le gars présentait comment il avait fait. Et en fait, il l'avait fait avec ce truc-là. OEMScripten, c'est un ensemble d'outils qui permet de faire du portage de C ou C++ en WebAssembly. Alors WebAssembly, c'est comme le nom l'indique, c'est une espèce d'assembleur du code machine qui tourne à l'intérieur d'un navigateur web. Et donc l'idée là, ça utilise des outils à peu près standards. LLVM, c'est un compilateur C du même style que GCC, donc des outils GNU. Et donc ça marche assez bien. Il y a plein de choses qui ont été portées dessus, en particulier la SDL. Et comme Auricutron est basé sur la SDL, bah, c'était ça sentait bon donc pour faire le transfert. Ça a été assez rapide en fait parce que je me suis dit bon peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu la même idée que moi avant, donc j'ai posté sur DefenseForce à 10h25 le 8 novembre
Et pendant ce temps, j'ai commencé à regarder si c'était compliqué. Et en fait, à 4 heures de l'après-midi, c'était déjà fait. J'avais une première version qui tournait. La première version, ça va vite, mais après, c'était farci de bugs, évidemment. Le problème, c'est que JavaScript donc, et WebAssembly, c'est basé sur le moteur JavaScript. En fait, c'est un langage de programmation qui est basé sur les événements. Quand on comporte un programme qui est fait en C, donc qui est du code séquentiel, il faut adapter pas mal de choses. Alors par contre, MScripten, il nous aide beaucoup pour ça. Sinon, on se retrouve avec du... par exemple, quand j'ouvrais les menus sur Auricutron, pouf, tout crachait. Le tab dans lequel j'avais Auricutron JS, il crachait tout parce que ça faisait une boucle infinie et le navigateur ne supportait pas. Après, il y a plein de bugs étranges. Sur Safari, sur l'iPad, il y a des touches du clavier qui ne fonctionnent pas de la même façon que sur un PC. Donc, c'est super, super étrange. Bon, bref. J'ai réussi à faire pas mal de choses intéressantes quand même. Grâce à, c'est tout, MScripten. Moi, j'ai fait que utiliser les outils qu'ils proposent. Ce qui est assez génial, c'est qu'on peut sauvegarder en fait tout ce qu'on veut dans un file system qui est monté sur un truc qui s'appelle IndexedDB, Indexed Database, qui est donc c'est une base de données qui est intégrée au navigateur web et qui permet de stocker des données d'un site web. Donc on est sur un site web, on a accès à une base de données pour ce site web là. Si on change de site web, on passera à une autre base de données. Tout ça, c'est stocké dans votre navigateur web, enfin, les fichiers de votre navigateur web. Après, il ne faut pas s'étonner que ça devienne rapidement énorme, mais bon. Et donc, ils ont monté un espèce de file system Unix complet au-dessus de ça, donc de ce indexed DB. Donc, c'est assez pratique à manipuler. Et donc, du coup, grâce à ça, on peut sauvegarder les jeux. Donc, si on va sur une. Si on joue donc dans l'émulateur Auric et qu'on veut sauvegarder ces parties, on peut très bien les sauvegarder. Donc c'est sauvé dans l'index7db. Et après j'ai fait un petit truc pour permettre de télécharger les images DSK ou les snapshots de façon à ce qu'on puisse les récupérer sur l'émulateur Auric sur sa machine. C'est assez pratique. Je crois que voilà, donc je vais faire une petite démo. Donc il y a une version qui est en ligne que j'ai mis sur mon site web, mais bon, vous pouvez l'installer où vous voulez après. Donc sur le site web, vous avez ça c'est la présentation que je suis en train de faire. Et ensuite, donc l'idée, c'est on le place sur un espace web, on y jette des images DSK et des points de tap. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur un truc. Donc là, je vais montrer un truc qui n'est pas très rigolo, mais qui permettra de montrer la partie sauvegarde. Donc c'est Doric 4. Bon, il y a des bugs. Hein. Je vous ai prévenu qu'il y avait des bugs. Des bugs étranges. Donc si par exemple, là, j'avais fait un petit programme. Yep, oui, c'est chdir. Alors, ah oui, les touches, super pratique. Pour ceux qui n'auraient pas vu Cédoric 4, hein, je rappelle que la principale différence, le principal apport par rapport à la version 3, c'est la présence de répertoires. Hein. Des répertoires, oui. Et donc, si je tape start, ça fait un superbe programme. Donc, l'idée... T'as piqué le code de nuage de la démo Atmos. Ouais. Bon, c'est un super programme, super long, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai fait ça donc sur la disquette Cédoric. Donc évidemment, c'est la disquette Cédoric, il n'y a pas ce programme-là. Donc là, c'est juste pour montrer que c'est effectivement sauvegardé dans mon index7db. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Quand on va dans les outils de développement, alors ça c'est Chrome, mais c'est pareil pour les autres, hein, vous avez à peu près toujours les mêmes fonctionnalités. Donc ici, en fait, on voit tout ce qui est stocké pour ce site web dans le navigateur. Et donc, j'ai un truc qui s'appelle read-write file system ici.
dans lequel j'ai en fait tous les fichiers que j'ai déjà téléchargés. Donc l'idée c'est qu'en fait quand on lance alors ouais, je vais pas avoir une nouvelle image. C'est ce qui était marqué au-dessous. Donc si c'est un nouveau truc, il va le chercher donc sur le site web, il le télécharge dans la mémoire dans la RAM et ensuite on écrit sur le read-write system là qui est token index.db. Donc là, donc on peut écrire tout ce qu'on veut. Ça n'a pas énormément d'espace, c'est quand même partir. Comment j'avais fait si je crois qu'en un là-dessus, on voit voilà, 15,8 mégas. Bon, c'est pas très gros. Des images SK, c'est le plus gros. Après les points de tab, c'était tout petit. Donc ça, c'est stocké. Les points de tab, ça sert un peu à rien les sockets avec cette B dans la mesure où on ne va pas trop écrire dessus, bien que c'est possible. On peut, ce qu'on peut stocker aussi, je vais montrer ça, je dois en avoir là-dedans, il doit y avoir des points SNA, des snapshots de la mémoire. Voilà, j'ai mis un ORT ici, je ne sais pas si on voit très bien, là ça c'est un snap. Et tout ça, donc après, oui, par exemple, ici je peux faire un snapshot de la mémoire. Ah, et là évidemment c'est l'effet démo. Je dis qu'il y avait des bugs étranges. Des fois, je sais pas pourquoi les fenêtres pour taper, pour choisir les fichiers et tout ça marchent plus. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Bon, bref. Donc là, on peut pas faire. Est-ce que les snapshots sont compatibles avec les versions PC d'Oricutron? Ah oui, tout à fait, oui. Okay. Tiens, mais je vais montrer ça. Ouais. C'est de toute façon, le code, j'ai quasiment rien touché. J'ai fait que. Je vous montrerai peut-être rapidement le code, mais donc ici, si j'appuie sur ce bouton-là, Get File List, j'ai toute la liste de tout ce que j'ai en mémoire, et donc si je vais récupérer ce snap-là de Treasure, hop, je le sauvegarde, je récupère ici, et je peux le balancer avec Oricutron, qui est load snapshot, le voilà. Et voilà, ça marche. Ah oui, non, il manque Kikine, mais voilà. Donc ça fonctionne sans problème. Donc pareil, une fois que si j'ai repris ma disquette là, donc ici la disquette c'était Cédoric. Où c'est qu'il est? Alors après c'est un peu le bazar, il faudrait faire des répertoires et des trucs comme ça. Tout ça c'est faisable. Hein. Et ici, insert disque, le voilà. Ça marche beaucoup mieux sur un vrai. Et donc, c'est-à-dire... Par contre, j'ai toujours les mêmes problèmes, moi, avec le clavier. C'est qu'il est le keyboard. Show keyboard. Ah, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Test. Voilà, donc j'ai bien mon programme qui fonctionne. Voilà, qu'est-ce que je voulais montrer de plus? Alors, ce que j'ai fait, j'ai réussi à le faire fonctionner une fois, après ça a planté. Un truc pour pouvoir envoyer des images directement, des images DSK, si on veut éviter de les stocker sur le web. Et ça a marché une fois. Et maintenant, j'arrive plus à en faire fonctionner. Donc, je sais pas d'où ça vient. C'est farci de bug, le truc. Là. Je sais pas si ça vient. Je pense que ça vient de soit de Mscripten, soit du portage SDL, ou je sais pas trop. Enfin, bref, il y a des trucs très très étranges. Oui, voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais montrer. Voilà, si vous voulez faire la même chose, donc sur mon site web, il y a le package complet qui est aussi sur le dépôt Git d'Oricutron, mais qui est pour l'instant, c'est dans une branche qu'on n'a pas intégrée. Donc l'idée, c'est qu'on télécharge ce zip là. On l'extrait sur le site web, dans un répertoire. On drop des SK, des tags dans le même répertoire et hop, ça fonctionne.
Alors, à condition d'avoir du PHP sur le site web, sinon, il faut éditer la page d'index des tableaux JavaScript. Il faut écrire le nom des images dedans et après, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah, modulo les bugs. Hein. Voilà, donc pour le futur, ce que je veux faire, c'est essayer de résoudre les bugs, mais j'ai plein de problèmes. Malheureusement, pour débugger, en fait, il y a des outils, mais qui peuvent pas fonctionner parce que malheureusement, le code de Recutron, il y a des fichiers très très longs, en particulier celui qui gère les instructions du CIMI 502. Et donc, il m'empêche de compiler en mode -g. Donc, -g sous C, ça permet après de pouvoir débugger le code et je peux absolument pas. Donc, c'est assez un peu désespérant de ce côté-là. Et donc, le but du jeu à plus long terme, ça va être de tout réécrire en JavaScript. Et grâce à Fabrice, donc, qui est ici présent, on a une version Java de Euphoric. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un euphorique version JavaScript. Donc en passant de Java à JavaScript, les langages sont assez proches, donc ça sera plus facile que de passer du C de Recutron, où j'avoue que je ne comprends pas tout dans Recutron. J'avais travaillé un petit peu dessus, mais j'ai eu beaucoup de mal. C'est gigantesque au Recutron, donc ça sera peut-être plus facile en partant de l'euphorique de Fabrice. Voilà, donc ça va prendre du temps, hein, donc n'attendez pas ça pour ça va prendre comme la dernière fois avec le reste là où j'ai fait juste que recompiler en une demi-journée, c'était bon. Là, ça sera beaucoup beaucoup plus longtemps. Voilà, donc c'était tout sur la présentation. Et voilà. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez voir du détail, si vous voulez voir du code en C, mais c'est pas très intéressant. J'ai juste une question. Ouais. La base de données avec le file system, tu disais que chaque personne qui se connecte a sa propre version. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est la même chose. Ouais. Là, je voulais montrer ça. C'est la même chose quand vous êtes sur Gmail. Et que vous avez on peut activer le stockage local sur Gmail, les mails, et il fait la même chose. Il stocke tes mails dans cette base de données là, qui est stockée dans l'espace de stockage de ton navigateur web. Et t'as un index7db par site web, quoi, en gros. Donc, justement, ce que je vais demander, c'est est-ce qu'il est possible de faire un mode partagé? Par exemple, tu voudrais faire un jeu coopératif où les gens se connectent, ils jouent et en fait, ils reprennent de là où les autres étaient rendus et peuvent continuer. Ou est-ce que c'est absolument impossible? Non, c'est pas possible. Pas avec ça, du moins. Pas avec ça. Après, on peut imaginer de pouvoir envoyer des infos. Je sais qu'il y a des mecs qui ont fait ça parce qu'il y a dans la liste des émulateurs JavaScript, là, il y a des gens qui ont fait des émulateurs pas de machines mais de jeux, et ils ont fait ces King Quest, je crois, où tu peux jouer à plusieurs sur King Quest. Donc c'est King Quest dans ton navigateur et en plus tu peux jouer à plusieurs. Donc, mais là l'idée c'est que le JavaScript échange avec le serveur et il stocke des trucs sur le serveur et voilà, c'est géré vers le serveur. Donc. Là, l'index7db, il est privé, il est sur ton navigateur et chacun en a une version perso. Après, mscripten, je crois qu'il n'y a pas grand-chose pour pouvoir... enfin, si, on peut utiliser JavaScript dessus, mais c'est une horreur. Hein. T'arrêtes pas de... Tu peux faire comme on fait de l'assembleur là, en C, là. Tu peux rajouter de l'assembleur au milieu du texte, et là tu ouvres des blocs et dedans tu mets du JavaScript. Et le JavaScript il peut rappeler le C après derrière. C'est pas étonnant que ce farci de bugs après derrière. Mais les mecs avec ça, ils ont fait tourner qu'est-ce que c'est comme moteur de Unreal, je crois, ils font tourner un navigateur, enfin, tu fais tourner tout ce que tu veux, quoi. Du moment que c'est du C. Après, il faut s'enquiquiner, arriver à faire tourner le code, mais sinon, ça compile tout ce qu'on veut. Ils ont réussi à faire tourner Doom, je crois, dans une page web. Ouais, ouais.
Ouais, c'est ça. Doom, tout ce qu'on veut, en fait. On peut tout faire tourner dedans. J'ai vu tourner, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Windows 95, je crois. Il y a un émulateur Amiga, il y a UAE qui tourne dans la page web aussi. Les trucs, bon. C'est des fous. C'est Unreal, il y a quelle version? Une des versions assez récentes d'Unreal, je crois, qui tourne dessus, qu'ils ont fait tourner. Ils n'ont pas donné le code source, par contre. C'est probablement pour permettre aux développeurs de faire des jeux qui tournent sur le browser, même s'ils Ouais. utilisent de 600 gigas de mémoire. Et après, c'est farci de trop de sécurité, bien entendu, ce genre de truc. Hein. Ça aussi, pour faire des virus, c'est un super truc. So if our English-speaking colleagues have any questions, you can ask and we can translate. J'ai une question pour Patrice ou Fabrice. J'avais pas vu que Euphoric était disponible en Java ou pas disponible. Est-il diffusé? Alors, c'est pas vraiment euphorique en fait, hein. Il n'y a aucun lien de parenté avec euphorique. C'est un petit émulateur en Java que j'avais à un moment mis sur un site web. Donc peut-être certains l'avaient essayé. Et bon, c'est un truc tout simple qui peut servir de base. Pour ceux qui le veulent, il est disponible. Et si je peux le montrer, si je peux le faire tourner. Alors, je repartage. Il n'y a que les cassettes, par exemple, qui sont supportées. Il n'y a pas le contrôleur de disquette. Alors, je repartage mon écran. Et voilà. Le dire, c'est ça. Je vais faire un super programme. Ah oui. J'ai des problèmes avec le clavier, mais c'est pas les mêmes. Donc. Et voilà. Ça marche. Donc effectivement, on peut charger les cassettes, mais comment je fais pour charger les cassettes? Je crois qu'il faut que je le relance avec. Comment j'avais fait? Parce que là, c'était prévu pour tourner dans un navigateur web, donc c'était une applet. Et là, je fais tourner depuis lui. Comment c'était fait? C'est avec les arguments, c'est ça, Fabrice, qu'il faut lui passer le tab quelque part en argument, je sais pas où. Je me rappelle plus. C'est pas avec Celod, tout simplement. Ah oui, oui, ça doit être ça. Et du coup, est-ce que j'ai le tap ici? Ah, je sais plus si. Je sais que je l'ai fait tourner, j'avais réussi, mais je sais pas. J'ai pas le point de tap là-dedans, donc j'ai dû le faire tourner ailleurs. Avec en ligne de commande, j'ai dû faire. Je Est-ce crois que qu'en ça ligne de tourne sur commande. Java? Est-ce Pardon, j'ai pas entendu. que ça tourne avec le Java portable? C'est-à-dire j'avais le truc de téléchargement là. Le truc que tu peux installer sur un répertoire qui te permet de faire tourner un Java dans un bac à sable pour pas Ah. avoir besoin d'installer Oui, les ça horreurs doit de marcher, oui, l'Oracle. puisque. Oui, ça doit marcher puisque c'est une applet, donc oui, ça doit tourner sans problème, je pense. Encore une fois, moi, le but c'est de le transformer en JavaScript, parce que comme ça, en JavaScript, ça sera plus facile pour faire tourner le navigateur, quoi. Et bon, Java, JavaScript, c'est quand même assez proche, donc je pense que ça devrait être faisable. Donc il y a quand même marqué euphorique là, hein, Fabrice. Regarde Oui, comment. oui. Bon, par contre, j'ai des gros problèmes quand j'active le son, ça fait un peu n'importe quoi. Ça bouffe beaucoup plus de CPU, donc il faudra. Mais enfin bon, en JavaScript, il faudra le refaire de toute façon la partie son. Je sais pas. Bien pour vos développements, Patrice et Fabrice, hein. Ça va nous permettre d'utiliser, enfin, ça va permettre de démocratiser encore plus l'utilisation de l'ORIC. Ouais, dans un navigateur, c'est sympa, quoi. En plus, on pourrait normalement, on doit pouvoir, je sais pas qui c'est qu'il faut contacter, mais sur Web Archive, là,
Il y a des émulateurs qui ont été intégrés pour faire tourner les jeux sur directement sur Web Archive. Je sais pas si vous avez vu ça. On a Bah, un... si tu écris à Jason, c'est Jason, je crois, sur Web Archive, tu lui écris, je pense qu'il te répondra, hein. Voilà, oui, tu peux lui, on peut lui dire de rajouter les émulateurs pour faire tourner les jeux directement, c'est sympa. C'est bien pour les tablettes qui sont bloquées parce que il n'y a pas besoin de, quand on n'est pas autorisé à installer un ouais, c'est pour une l'iPad. appli, voilà l'iPad, voilà. Bah, L'iPad, c'est super pour ça. Ouais. Après, s'il faut des, bon, sur les tablettes, il n'y a aucun souci. Sur les machines, il faut des navigateurs web récents. Hein. Sur les vieux navigateurs web, IndexedDB, ça ne marche pas. Le WebAssembly ne tourne pas bien. Enfin, bon, il faut essayer. Quoi. Mais c'est vrai que c'est farci de bugs, par contre. Hein, le mystère des bugs. Je ne suis pas responsable. Non, pas toi. Des bugs en deux mots. Ok, s'il y a d'autres questions. Moi, je l'ai essayé donc sur la page web hein, que tu m'avais donnée et ça marchait bien. Hein. J'ai pas vu de bugs sur. Je me suis amusé avec le light cycle de Michael hein, de debug et no problème, ça marchait très bien. Des fois, ça marche super bien. J'arrive même, t'as le débugger qui fonctionne, hein, puisque avec les, quand les menus veulent bien marcher, tu peux lancer les sessions de debugging et tout a l'air de fonctionner. Puis tu le relances 10 minutes après et hop, ça marche plus. C'est la magie. Comme quoi, je fais pas que des jeux de violence, je fais même des trucs qui sont compatibles avec le système, parfois. Pas d'autres questions? Avant de passer la parole à Jérôme pour le plat de résistance de la soirée, je voulais savoir s'il y en avait ici qui avaient déjà testé Tabuino. Nope. Comment tu dis? Tabuino. L'émulateur de cassette à base d'Arduino qui vient du ZX Spectrum à l'origine, je crois. On a quatre versions donc, pour les lecteurs de cassettes maintenant. Hein, il y a à l'ancienne. Euphorique, pour lequel on a donc la lecture à l'écran grâce à Kenneth, des fichiers qu'on veut charger. Je dirais que le seul petit désavantage, c'est qu'il faut que l'étape soit compatible. Et après, il y a deux versions de Tabuino. Une qui ressemble à ça, un boîtier avec des touches de lecture, une entrée et une commande moteur, donc qui permettent d'avoir la sortie son du lecteur de cassette. Et tout récemment, je l'ai mis où, je viens d'ouvrir, il y a ce modèle-là qui a été est sorti, là, où il y a eu de la pub sur Facebook. Qui est un Maxduino où au lieu d'avoir la lecture des titres sur un panneau LCD de deux lignes, je l'ai démonté tout à l'heure parce que je croyais que j'avais une touche qui ne fonctionnait pas. On a, alors, je ne sais pas si ça va être net, on a la lecture des titres sur un petit écran. Oups. Sur un petit écran. Et on sélectionne. Donc, on peut théoriquement changer la vitesse de lecture, mais ça, je n'y suis pas encore arrivé. Soit un bug dans le firmware, soit une touche qui ne fonctionne pas par rapport au MUF. C'est pour ça que je l'ai ouvert. Et donc, ça permet de lire, puisqu'on le branche avec un câble, un cordon cassette. Ça permet de lire le fichier TAP. Donc, là, certainement plus original. Directement sur le RIC comme s'il lisait un fichier sur cassette. Donc il faut que je teste 2-3 logiciels où il y a la page qui se lit à l'écran. Là, il est réglé à 3600 bauds, mais il faudrait que je retrouve les 2400 originaux. Il y en a pas un qui disait qu'il pouvait charger directement les points WAV. Et donc j'ai pas eu le temps de tester. J'ai eu ces jours-ci, j'ai pas eu le temps de tester. Je voulais le tester avant ce soir et j'ai pas eu le temps de mettre un fichier WAV sur la carte SD. Pour tester. Mais dès que je l'ai fait, je mettrai un petit message
confirmé. Mais personne n'utilise Taporic de ISS? Si, si, il y a plein de gens qui s'en servent, il y a régulièrement des messages. Mais généralement, le plus gros problème de Taporic, c'est problème de volume ou de qualité de téléphone. Mais apparemment, quand ça marche, ça marche. Oui, oui, moi je l'avais essayé, ça marchait super bien. Hein, ouais. Jérôme, on te passe la main? Ouais, on est parti. J'ai partagé mon écran. Ok. Alors, bon, c'est dommage, après Christian n'est pas là, Christian Lardière, parce qu'en fait, j'aime bien mieux qu'il soit là, parce qu'en fait, il a participé activement au projet. Donc, en fait, bon, c'est un peu dommage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on est deux à travailler dessus, donc je suis assez content parce qu'on a, on arrive à bosser à deux. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est pas un projet qui est tout seul dans son coin. En fait, on est deux à travailler activement dessus. Bon. Alors, en fait, là, je me suis un peu plié aux présentations. C'est pas du tout mon truc de faire des PPT, honnêtement. La fois dernière, j'en ai pas fait parce que je me focalisais plus sur la démo. Mais en fait, là, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais faire un PowerPoint pour présenter, pour être, proposer un peu plus les choses, plutôt que de partir dans la démo. Là, ça sera sans doute plus clair. Donc, en fait, j'ai pas fait des slides un peu, en fait, c'est pas des slides comme on a vu précédemment, c'est assez bien fait. Moi, c'est un peu plus ça. Mais bon. En fait, j'ai parti de la base, en fait, du projet. En fait, moi, ça m'a beaucoup travaillé, en fait, depuis très longtemps, les contraintes sur le RIC. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de réflexion à l'époque 2000, en fait, comment faire pour avancer un peu plus sur le. Pour essayer de donner plus de capacité à l'ORIC. Alors, en fait, il y avait déjà Fabrice qui faisait des propositions et des réalisations. Il y en avait d'autres aussi sur notre projet que je faisais. Et du coup, voilà, mais j'ai voulu aussi avancer là-dessus. Donc, en fait, donc en 2005, j'ai essayé de faire un file system Linux sur disquette. En fait, l'idée, c'était déjà d'arriver, en fait, éventuellement à avoir un formatage identique entre PC et ISO, entre PC et ORIC. Et en fait, j'ai laissé tomber parce qu'en fait, il y a des problèmes de lenteur sur la disquette, forcément. En 2009, en fait, je me suis lancé dans une construction d'un lecteur SD card. Et en fait, j'ai abandonné aussi parce que je trouvais que c'était pas opportun, en fait, de faire aussi du code pour gérer la FAT. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu aussi gérer la FAT et tout. Donc, je pense que c'était pas. Enfin, moi, je voulais un truc assez rapide. Donc, en fait, j'ai mis ça un peu de côté. Et en 2016, bon, en fait, il y a beaucoup de chemin à parcourir entre, parce que j'ai beaucoup eu de réflexions pendant ces années-là. Et en 2016, bon, en fait, vous verrez dans les stages, j'en parle beaucoup, mais je fréquente beaucoup les CPCistes, pour X raisons, parce qu'en fait, j'ai un très bon ami à moi qui est sur CPC. Et en fait, j'ai beaucoup fréquenté les coding CPC. Et en fait, quand je vois des démos parties, je me retrouve souvent dans le coin des CPCistes. En fait, c'est pour ça que je discute beaucoup avec eux. Et en fait, en 2016, en fait, un des meilleurs amis donc, sur CPC m'a parlé d'un contrôleur SD card USB sur lequel il travaillait sur CPC, puisqu'en hardware est sorti et lui s'occupait du code. Et donc, en fait, je me suis lancé à cette époque, en fait, je faisais plus grand chose sur RIC, honnêtement, et c'est un mode pour relancer. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire un premier prototype sur Telestra. C'est-à-dire un premier prototype, en fait, avec le contrôleur des cartes USB. Donc, en fait, donc du coup, je me suis lancé dans un plus gros projet, puisque j'ai fait sur Telestra, mais l'objectif, c'était après de faire sur le RIC Atmos, justement. Moi, j'étais bien content sur mon Telestra, parce qu'en fait, j'aime beaucoup le Telestra, et voilà, je pouvais l'utiliser, mais en fait, du coup, sur Atmos, c'était un peu plus limité, on ne pouvait pas le partager. Donc, du coup, je me suis lancé dans la construction du hardware pour essayer d'augmenter fortement les capacités de l'ORIC, hein, donc sur certains aspects. Pas sur le CPU ni sur le chip graphique, même si en fait j'ai d'autres trucs en cours, mais ça je vais pas en parler. Mais en fait, voilà, j'ai voulu faire un truc vraiment qui se complète et qui rassemble beaucoup de hard qui existait déjà. Parce que quand j'allais dans les coding parties, moi quand je me présentais le RIC, en fait, en gros, je passais un peu pour un nain. Parce que quand il fallait montrer des trucs, il fallait ici, il fallait Jasmin, il fallait lucider RIC, il fallait c'était compliqué en fait. En gros, j'étais capable de montrer deux, trois trucs, et en fait, c'était souvent aussi contraignant que les lecteurs disquettes qui ne marchaient pas, X raisons qui faisaient que ça n'allait pas trop pour présenter les trucs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je fréquente les codings, j'ai vu tout l'hardware qu'ils avaient.
commence à 98 et j'avais déjà vu quelques hardware, quelques extensions qu'ils avaient. Donc là, je les ai présentées. Je les présente rapidement. Alors, il y a l'équivalent, je pense, sur d'autres machines, hein, sur T64, sur Spectrum, hein, c'est bien possible. Mais par exemple, là, il y a l'Albireo qui fait contrôler des cartes USB qui est utilisée dans la carte que j'ai fait. Et avec un port série, puisqu'en fait, on aurait très bien pu faire la liaison série avec USB. Personne n'a préféré utiliser un chip série séparé parce que ça permettait de gérer un buffer hardware qu'il n'y a pas sur le chip USB. Là, il faut le faire plutôt au niveau soft, gérer les buffers, quoi. Après, il y a eu la RAM card qui était beaucoup utilisée sur CPC, qui est en fait tout simplement une extension par banking de la RAM, mais sauvegardée par pile. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont CPC dans tout leur assembleur parce qu'ils font beaucoup, la plupart du temps, ils font beaucoup de trucs sur la machine réelle, sur CPC. Il y a quelques personnes qui font de la cross-compilation. La plupart du temps, c'est comme des sur la machine réelle. Et en fait, ils ont cette extension-là, la RAM card, en fait, c'est 512 kg de RAM, en fait, qui est segmentée et par pile. Et là, en fait, ils chargent en fait des assembleurs, des compilateurs, enfin plein de trucs. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont beaucoup de trucs dessus. Ils ont énormément de RAM. Ensuite, il y a eu la Flash Gordon, qui est en fait, là, par contre, une EEPROM qui reprogramme sur CPC. Donc aussi, ils ont une interface sur CPC qui permet de reprogrammer des EEPROM toujours en banking. Une EEPROM de 512 kg. Ensuite, il y a ceux qui pensent qu'ils connaissent pas, qui est plus récent, c'est la C4 CPC, où en fait, c'est plus pour les GX4000 et le CPC+, qui, en fait, cette extension, c'est une cartouche, en fait, c'est un port cartouche, on met dans le port cartouche, et on est capable d'accéder à tous les jeux qui existent sur CPC+, et sur GX4000, juste avec une interface. Et enfin, j'ai voulu reprendre aussi des aspects du Telestra, notamment le joystick, le banking, et puis après tous les trucs qui sont liés à Telemon, au Telestra niveau software, Telemon, TA, c'est hyper basique. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? En fait, j'ai essayé de condenser toutes ces extensions-là, qui me rendaient un peu jaloux quand j'allais en coding, dans une seule extension. Alors, l'image n'est pas en dessous, en fait, j'ai une vieille image, j'ai pas eu trop le temps de travailler sur les PPT, donc en fait j'ai sorti une vieille image qui a 3 ans, mais en fait c'est plus trop comme ça. Enfin, maintenant elle est un peu différente. Mais en gros, là, l'idée c'est que tout ce matériel-là rentre dans une carte pour l'Atmos, quoi. Donc les concepts hardware et logiciels, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'objectif c'était quand même en fait d'avoir quand on met la carte, en fait, que ça soit très rapide et qu'il n'y a pas de contraintes de boot sur disquette. Donc en fait tout est en EEPROM et tout est fait en ASM, et en gros on essaye vraiment de pas avoir sur la SD card sur la clé USB au boot, donc ça démarre tout de suite. Donc, je passe par là juste après, enfin, mais en gros voilà, on a l'objectif c'est vraiment de faire un truc très rapidement et enfin que ça soit très réactif. J'ai beaucoup fait d'assembleur avec TLA sur Telestra et ça me voilà, en fait, notamment la sauvegarde qui me sur disquette qui me gonflait un peu. Donc en fait là tout est en banque, et aussi en fait quand j'ai code en banque, c'est à dire qu'en fait on s'arrange pour que les programmes soient en fait dans des déjà chargés, qu'il n'y ait pas de chargement, c'est à dire qu'en fait il y a déjà les programmes qui sont dans les banques. Donc après on a essayé de travailler sur la M1502 parce qu'on a toujours le problème du bus d'adresse 16 bits. Donc en fait on a fait un peu repris le, enfin j'ai repris le même principe que sur Telestra. Donc essayer de rester sur une compatibilité avec le Telestra, c'est qu'en fait faire un système qui permet de faire tourner le même code, enfin le même OS on va dire, d'OS sur l'Atmos ou sur le Telestra. Ensuite quand je parle des banques, en fait il y a des banques qui sont de type front, donc la RAM basique, autre RAM qu'on peut trouver sur le net. Et après on a des banques type Oryx, donc Oryx c'est plutôt un DOS, enfin il y a un peu un mix des deux, qui permettent, enfin on fait des banques qui sont pluguées à Oryx, en fait, enfin c'est le carnet justement, et en fait ça permet d'avoir du code en fait qui est déjà fait, puisqu'on a juste appelé le kernel pour qu'il fasse accès au accès des cartes, ouvrir des fichiers, faire du malloc, enfin, donc en fait, les ROM Oryx, elles ont un format spécial, en fait, enfin de ROM. En fait, c'est une sorte de header, un peu, on a repris un peu le même principe que sur Telestra avec les ROM, simplement, on a enrichi beaucoup, puisqu'en fait, les ROM déclarent aussi des commandes. C'est qu'en fait, en gros, elles ont un format où elles déclarent des commandes, et le carnet, quand on tape en ligne de commande, le kernel va essayer de retrouver cette commande qui a dans les commandes qui sont dans
la commande qui a été tapée, si elle est dans une des ROM, et en fait, elle va passer la main à la ROM concernée. Donc après, avec un PID, ça peut entrer dans des détails techniques, mais en fait, ça forque tout ça, quoi. Donc, comme je disais, le BigSeed, c'est la solution, c'est d'avoir une solution universelle. En fait, pas me retrouver dans des situations, en fait, ah, ben là, c'est sur Telestra, ça marche sur les Catmos ou vice-versa, ou sur Jasmin ou sur Sidewalk. En fait, voilà. Donc, en fait, on se focalise beaucoup là-dessus avec Christian sur essayer de voir un truc uniforme. Et en fait, en gros, on n'a pas besoin d'extension à côté pour tout faire marcher. Donc après, l'objectif aussi, c'est que alors, moi, je suis plutôt de la partie technique. Donc, c'est ce que je préfère. Donc, plutôt me faire plaisir sur la partie technique. Et après, en fait, plus, on va dire, disponibilité de enfin, on veut aussi mettre disponibilité aussi soft, sans avoir spécialement en particulier, en fait, avec ci ou avec ça. Je vais entrer plus dans les détails après, hein, voilà. Donc, et puis après, bon, faire du, enfin, aussi, l'objectif aussi, c'est de faire du développement, aussi éventuellement sur Rail. Si j'ai un peu le temps, j'essaierai de montrer comment on peut faire facilement. Enfin, au moins tester sur Rail. Donc, en fait, les compatibilités, donc ça marche sur un 6502 de base. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de modification hein, sur, avec la carte. Hein. On insère, en fait, et ça marche. Et après, on a une compatibilité aussi avec 65816. En fait, ça marche où j'ai pu faire mon premier programme en Cédric. Donc, j'ai pas trop avancé, je me suis pas trop aventuré sur cette partie-là, puisqu'en fait, il n'y a pas le compilateur, enfin, il y a Fabrice qui travaille dessus, mais il n'y a pas le compilateur, il y avait pas, enfin, j'ai pas envie de me focaliser dessus sur la partie 16 bits. C'est déjà assez compliqué de gérer les autres aspects. Donc, il faut beaucoup focaliser sur 6502 pour le kernel. Il y a la compatibilité Cumulus. Donc, ça permet d'avoir des DSK profitant de la carte avec les joysticks souris. C'est-à-dire qu'en fait, on branche le Cumulus. Et en fait, sur la je vous montrerai en fait, la carte fille, en fait, qui permet de brancher plusieurs extensions. Ça dépend des versions. Et en fait, on peut brancher le Cumulus. Et en fait, en gros, si on démarre le Cumulus, on peut, et qu'on démarre un jeu, par exemple, et ben, on est capable de disposer des joysticks. Bon, forcément, faut que le jeu supporte les joysticks et aussi la souris. Et aussi la mémoire surmontée éventuellement, puisqu'en fait, on apporte 16 kilos de mémoire. J'en parle juste après. Je peux juste t'arrêter un instant. Carte. Ouais. Tu confirmes que c'est le vrai Cumulus que tu peux le brancher en même temps que ta carte. Ouais. Ah, ben c'est nouveau ça. Après. Ok, merci. Ouais, mais en fait, en gros, j'ai. Alors, par contre, il y a le connecteur. Le connecteur est un peu particulier. En fait, sur la carte FC, en fait, il y a des pins qui ont été retirés pour que ça. Voilà. Je ne touche pas au Cumulus. Par contre, sur la carte FI, il y a le connecteur qui a 3 ou 4 pins qui sont retirés. Parce que le Cumulus, en fait, il prend le pas sur la ROM, en fait, il y a conflit. Donc, en fait, il empêche de prendre la main, quoi. Et en fait, grosso modo, le Cumulus branché plus sa carte. Alors, c'est le synthétiseur vocal hein, qui marche, mais j'ai juste fait Mumus avec et j'ai fait un peu brancher là-dessus. Mais en fait, le Cumulus branché plus sa carte, c'est égal à Telestrat, mais en fait, c'est même plus évolué puisqu'il y a plus de RAM. Il y a un contrôleur USB, il y a des cartes. Et voilà. Par contre, j'ai pas fait le port série. Mais je ne vois plus trop l'intérêt pour l'instant, le port scénario avec tout ce qui peut être fait juste derrière après avec le hard de Zippo. Donc après, tu as libre le port en en fait, si on veut mettre d'autres ports joystick pour des compatibilités de certains qui sont portés, par exemple. Et sinon, sur la carte FI, comme je dis, il y a en fait un connecteur en plus qui permet de brancher un satellite, par exemple, ou le Cumulus, mais là, comme j'ai dit, c'est un connecteur spécial. Alors, le Cumulus, c'est assez récent en 21, par contre. Hein. Ça date de 2 ou 3 semaines, puisqu'en fait, j'avais laissé ça un peu en plan. Je n'avais pas trop m'en occuper, c'était pas trop la priorité. Et finalement, comme en fait, on travaille sur un truc avec Christian, je me suis un peu remué. Et j'ai présenté un peu après ce qui est fait, pour un peu le après derrière. Je me suis un peu remué pour le faire marcher, quoi. Donc, comme je disais, donc en fait, on peut brancher carte, enfin le Cumulus si on veut, et puis après vous disais, il y a même parfois deux connecteurs sur la nouvelle carte que j'ai fait, il y a 2 connecteurs. Donc en fait voilà, il y a vraiment la possibilité de brancher des trucs dessus. Ce qu'il faut savoir quand je dis qu'il y a le Cumulus branché plus carte égale un Telestra, en fait il est potentiellement possible de reprendre les EEPROM et transformer vraiment le RIC en Telestra. Enfin, en fait les EEPROM, on leur dit que c'est le banque 7, c'était Télémone, puis après l'hyper basique en 5, je crois que c'est ça, 5 ou 6, je sais plus. Et en fait, on reprogramme les proms, et en fait, on va pouvoir démarrer StratSed, si on veut. Voilà. Par contre, c'est pas mon objectif, en fait, de modifier un EEPROM. En fait, je cherche d'autres moyens de démarrer le TSR sans reprogrammer les EEPROM, quoi. Alors, en fait,
Concernant l'OS, en fait, au départ, moi, j'avais beaucoup réfléchi à l'époque, en fait, et ce que j'ai voulu, comme j'aime bien le monde Linux, ben, j'ai voulu faire un petit Unix. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir démarrer tout sur la machine sans avoir de contraintes particulières. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle un OS chapeau. On peut démarrer du FT2, du XL2, ce qui est doré, enfin, ce que vous voulez, à partir de Rix, en fait, en ligne de commande. Alors, il y a des trucs qui marchent dedans. En fait, dans ce que vous voyez en bas, en fait, il y a deux trucs qui sont aussi en cours. En fait, là, il n'y a pas tout qui est fini, mais en fait, l'objectif, c'est du truc, c'est qu'on puisse démarrer ce qu'on veut, quoi. Et sans avoir le matériel concerné ou le bidule, le machin. L'architecture des ROM, en fait, c'est assez simple, hein. Il y a le kernel, en fait, c'est comme si c'était Telemone. En fait, c'est le kernel qui démarre, en fait, en banque 7. Et après, en gros, il va forquer, en fait, le shell. Et en fait, grosso modo, il passe la main au shell, en fait, et le shell va faire des appels au kernel pour soit démarrer la ROM Atmos, soit lancer des commandes, enfin voilà, comme si on avait Linux. En sachant que c'est pas Linux, hein, je précise, c'est pas multitâche, c'est monotâche. En fait, même je suis pas loin du multitâche, hein, et c'est pas mon objectif d'avoir un multitâche. Donc en fait, on est capable de démarrer un peu ce qu'on veut à partir du shell. Alors les possibilités hardware, j'en ai un peu survolé, là j'entre un peu plus dans le détail. En fait, le contrôleur USB permet de gérer les devices HID. En fait, c'est tout simplement les devices qui sont pour les humains, en fait, un clavier souris joystick analogique. En fait, comme il y a un port USB, on branche le clavier USB ou la souris USB ou le joystick analogique. Et en fait, avec quelques lignes de code, en fait, en tapant sur le contrôleur, en fait, on peut soit gérer la souris. Alors, c'est le souris, c'est très simple, en fait, hein, on peut même le faire en basique, si on veut, il y a 20 ou 30 lignes de basique, pour intercepter le curseur de souris, enfin la position de la souris, les boutons, tout ça. Et pareil pour le joystick analogique et le clavier, en fait, c'est relativement simple. On est capable aussi de brancher un hub USB. La seule contrainte du hub USB, on n'a pas écrit les drivers encore, parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais les hubs USB, en fait, masquent les autres ports USB. En fait, en gros, quand vous mettez un hub USB sur un port USB, c'est l'OS qui doit en fait interroger le hub USB et attribuer des adresses au device. Et ça, en fait, on l'a pas fait ça. En tout cas, en fait, potentiellement, on pourrait mettre un hub USB et mettre plusieurs devices USB dessus. Après, c'est un vrai port USB, je précise. Il n'y a pas de bidouille, hein, c'est vraiment un vrai contrôleur. Donc, en fait, qui permet de brancher, si on veut, de l'Ethernet over USB, MIDI over USB, enfin, tout ce que vous voulez, du SSD USB, des dongles Wi-Fi, liaison série, voilà. La contrainte, le hardware est là, par contre la contrainte c'est qu'il faut écrire les drivers, hein. C'est pas magique, en fait il faut quand même écrire le code de 6502 pour que ça marche, quoi. Mais en tous les cas, techniquement, au niveau hardware, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, quoi. Voilà. Ensuite, donc comme j'ai dit, il y a un contrôleur USB, en fait, qui permet de gérer à la fois une SD card, donc il y a un connecteur SD card, mais aussi il y a un connecteur USB, et en fait on peut mettre une clé USB dessus. J'ai un peu mis ça en plan parce que je savais qu'on pouvait le faire, mais j'ai un peu mis ça en plan, et en fait, suite à la remarque de Mickaël une fois sur un forum, je me suis collé, en fait, c'était le truc, c'était comment arriver, en fait, à faire du drag and drop, en fait, sur le rig directement à partir du PC. Et en fait, du coup, ben, le Raspberry Pi 0, en fait, vous avez des principes de gadget, hein, vous pouvez lui dire de transforme-toi en clé USB, et en fait, il va montrer sur le port USB une clé USB, après, transforme-toi en carte Ethernet USB, et il va présenter une carte Ethernet. Donc tout ce qui a été fait, c'est mettre un Pi 0 en fait en version Wi-Fi, et en gros dessus on fait du drag and drop assez facilement dessus, ou même du CP, puisqu'en fait on monte un lecteur réseau, et en fait c'est le Pi, mais derrière en fait c'est le Pi qui est connecté sur le port USB et qui va répondre en fait au contrôleur USB les fichiers, enfin les fichiers qu'il a en sa possession. Donc comme sur Telstra, il y a deux portes joystick DB9, donc type Atari, donc utilisable simultanément, exactement comme le Telstra, de toute manière, j'ai pas réinventé la roue. Et après le loading de SD card, en fait, l'objectif, comme j'ai dit, c'était d'avoir des trucs très rapides. Et en fait, je ne peux pas aller plus vite, honnêtement. 48 kilosecondes sur X, je ne sais pas si on pourrait arriver plus. Puisqu'en fait, il est vraiment à bloc, le 6502. Comme le contrôleur fait tout, en fait, c'est lui qui fait la fat. Donc en fait, on charge des fichiers très rapidement, en une fraction de seconde, la plupart des fichiers qu'on veut, quoi. Enfin, sauf si Dieu leur dit méga forcément, mais c'est quand même relativement rapide. Comme je l'ai dit, en fait, une EEPROM, donc qui est de 512 kilos, qui est découpée en 16 kilos, enfin qui est découpée en banque de 16 kilos, 32 banques de ROM qui sont accessibles.
donc en banking, et c'est un programme aussi en ligne de commande que le programme que je vais présenter au mois de juin. En fait, en gros, c'est une ligne de commande où on va demander à charger telle robe en fait dans telle banque et dans tel emplacement. Et pareil aussi avec les banques RAM, qui sont pareil aussi découpées, il y en a 32. Donc en fait, on a un ORIC avec 1 méga de RAM. Et ça, par contre, la statique RAM est sauvegardée par pile. Et en fait, ça, c'est l'idée qui a été faite sur la RAM card. En fait, on sauvegarde les programmes qu'on veut, enfin les ROM qu'on veut. En fait, on écrit dans la RAM et en fait, on éteint, on rallume, on en récupère sa RAM, quoi. Donc, et le support des SD cards, en fait, le chip est dit pour gérer du 32 gigas. Mais en fait, moi, j'avais déjà vu des personnes qui avaient testé avec 128, ça marchait. Moi, j'ai testé avec 64 gigas, ça marche. Et en fait, il ne voit pas qu'il y ait de raison de mettre des SD cards de 2 teras. Vous allez me dire, en fait, 2 terras sur un ORIC, c'est un peu violent. Mais voilà, en fait, en tout cas, on est capable maintenant, on s'embête plus à essayer de trouver des trucs qui sont parfois plus dans le commerce. En fait, on pourrait très bien mettre les SD cards qu'on a dans le commerce très facilement. En fait, on n'a plus besoin de chercher les SD cards, en fait, voilà, sur Internet. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 2 téra si on veut. Je pense que ça marcherait parce que là, y a pas, je vois pas de limite hardware. Donc, les évolutions. Donc, en fait, au mois de juin, j'ai présenté déjà, en fait, quand vous voulez lancer en fait, avec une commande qui s'appelle Basicon. Donc, en fait, il y a beaucoup d'évolutions. Depuis ce moment, on a beaucoup parlé avec Christian là-dessus. En fait, au mois de juin, j'ai montré qu'en fait, en fait, les jeux étaient compatibles joystick de base. Simplement, il fallait programmer le map avant de chaque démarrage de faire le cloud, il fallait faire un mapping en fait avec des POC et en fait maintenant tout est automatique. Je vais faire la démo après. Donc on est capable. Donc en fait il y a une auto-configuration des joysticks. Alors le mapping est fait par jeu. En fait sur Rig.org, en fait on fait le mapping. En fait du coup Mounette qui va tout gérer ses fichiers DBLA, je montrerai juste après. Donc les mappings n'ont plus besoin de le faire. Il y a l'autoload de. En fait on est parti du concept qu'on modifie pas le point tap. Mais par contre, on chargeait les ROM, puisqu'en fait, comme on modifiait la ROM pour gérer le contrôleur USB, ben en fait, on a des contraintes en fait, parfois d'appel à certaines routines. Donc en fait, en fonction des démarrages des ROM particulières, on sait très bien qu'elles vont passer parce qu'il n'y a pas eu tel bidouille, tel machin sur un tel endroit, quoi. Donc en fait, la gestion des ROM a été faite pour supporter plus de jeux. Donc enfin, on voit la poupie, enfin, frelon, enfin, il y en a plein. Plein de trucs en fait qui ne passaient pas, qui Obit s'est passé en revanche, qui a raté tout ça, mais il y a des trucs qui passaient pas tout le temps. Et en fait, l'objectif, c'est de quand il y a un truc qui marque pas, on colle une autre ROM, et en fait, automatiquement, en lançant le jeu, en fait, ça va se configurer. Donc, pas de patch de soft, comme je dis, hein, c'est la ROM qui s'adapte au chargement. Et après, donc, l'évolution, il y a affichage de des points tap qui sont disponibles sur des cartes en ligne de commande, donc qui permet de visiter ce qu'on veut. Avant, il fallait faire des LS, aller LS et tout, donc on a fait un truc un peu. Après, on a déplacé aussi les points tap pour plus qu'ils soient à la racine, le flottant à la racine. Les ROM sont aussi disponibles sur clé USB carte, on peut basculer sur la clé USB sur la SD carte sans problème. Après, l'autoconfiguration, des vases courants, enfin, le mapping, j'en ai parlé. Et après, il y a quelques softs qui sont non fonctionnels, il y en a 16, donc pour l'instant, et tout, précisément. Voilà. Je pense qu'en fait, on arrivera à 100% de jeux justement en utilisant cette technique en fait, de la bonne ROM, puisque pour l'instant, on n'en a que trois. Il y en a une qui est ROM normale, qui est standard, et deux autres qui servent vraiment pour les jeux qui sont sur Rig.org. Donc là, j'ai parlé du mapping joystick, et après, il y a des données point tap, il n'y a pas tout est automatique, en fait, il y a juste quand c'est à jour la carte, enfin la carte hardware, en fait, il y a juste à récupérer un TGZ ou un ZIP, un format TGZ. On dézipe sur SD card et bon, s'il faut programmer les proms, en fait, on le fait avec la ligne commande et en fait, ça va automatiquement charger les proms et derrière, il y a tout qui est configuré. Avec le point tap, on n'a rien besoin de faire en particulier. Après, comme j'ai mis possibilité d'avoir la ROM ORIC 1, alors ça, c'est facile, comme vous l'avez compris, de mettre la ROM ORIC 1 puisqu'en fait, on a tellement de slots qu'on peut faire ce qu'on veut. Je pense qu'il y a question de regarder. On l'a pas fait parce qu'on a travaillé sur d'autres trucs. En fait, c'est très facile de démarrer aussi le jeu facilement sur le RIC Atmos, sans problème du tout, sans modifier l'hardware, en se promenant avec deux EEPROM, ou avec un switch, quoi. Avec un switch pour basculer les EEPROM.
Après, en fait, alors ça, c'est plus le travail de Christian. Alors là, le travail sur Basic 11, c'est le travail de Christian et moi. Donc lui, il a fait beaucoup plus la partie ROM, adaptation de la ROM Atmos. Moi, j'ai vu plus tout ce qui était ligne de commande. Et après, il a fait un outil qui s'appelle Pascal Util, qui est l'extraction en fait de fichiers C2 avec FTDOS. En fait, il y a une idée qui se cache derrière tout ça. En fait, on extrait en fait, tous les DSK. Enfin, on peut extraire tout ce qu'on veut des DSK en ligne de commande, en fait, en réel sur la machine. Et l'objectif à terme, c'est d'avoir C2 qui marche par ce biais-là, un FTDOS qui marche par ce biais-là, et aussi, surtout, dumper les vraies disquettes par ce biais-là, puisqu'en fait, à partir du moment où on a un drive qui tourne sur la machine réelle, il n'y a plus besoin de démonter son PC pour brancher un lecteur 3 pouces. En fait, le lecteur 3 pouces, on l'a déjà sur X, si on a par exemple un micro 10. Un micro 10, je n'ai pas encore testé, mais ça devrait marcher. Donc, on pourrait très bien lire la disquette, dumper la disquette, et après écrire directement le DSK sur la SD card et l'avoir disponible directement pas sur PC si on veut, quoi. Donc on peut faire du dump de secteur, il y a un fichier batch qu'on peut faire pour extraire des fichiers. Et en fait, l'outil a été fait par Christian. Alors là, les démos que je vais faire juste après, en fait, on a un peu fini sur le fil cette semaine. Donc en fait, il y aura peut-être des bugs qu'on va voir, mais en tous les cas, voilà, on a sorti, on s'est travaillé sur ces deux outils-là principalement. Bon, c'est trop bon, sachant qu'il y a beaucoup plus de trucs qui ont été faits. Mais c'est de me vraiment bridé en fait après ce meeting-là sur quelques trucs. Donc après, il y a eu des évolutions globales qui ont été effectuées. Donc Michel Musée a apporté la démo de debug en fait, puisqu'en fait elle était censée fonctionner avec un lecteur de disquette. Michel Musée a apporté parce que là par contre du coup comme ça tape sur l'FDC, et ben là ça comme il y a l'FDC de base sur la carte en fait j'ai dû faire le fixe. Il y a aussi donc la Buggy Boy intro qui a été faite pour le proof of concept. Donc là, peut-être bien se faire sur d'autres jeux. Par contre, c'est du portage vraiment. C'est qu'en fait, je suis obligé de réécrire le loader des démos pour que ça marche. Par contre, ça marche en natif. Et sinon, après, ce que j'ai fait, c'est réussir avec les joysticks. Donc là, j'ai vraiment modifié le code et Stormlord aussi avec les joysticks. Voilà, ça a été fait aussi, c'est dispo aussi. Après, j'ai rajouté une commande twill pour basculer la SD card en clé USB quand on en avait besoin. Et après, il y a l'émulation qui a été rajoutée dans Chrome sur les 32 banques de ROM et 32 banques de RAM. J'ai mis deux fois ROM. Elles sont maintenant émulées dans Recutron. Voilà, donc en fait, on a les 64 banques qui sont dispo dans Recutron. Alors après, je peux entendre avec toi parce que le temps tourne, ouais. Donc je vais me dépêcher. En fait, en gros, les fonctionnalités sont infinies. En fait, on peut faire des drivers, on pourrait faire des vraies connexions TCP/IP avec en fait, si on avait un device USB qui gère l'Ethernet, on pourrait très bien le faire. Ça existe en fait, vous tapez le code. Il y a plein de trucs à faire du cross-développement. En fait, comme on peut faire du drag and drop, moi je le fais. Hein, en fait, je travaille sur PC et puis quand je testais un peu drag and drop, ça part sur les que je teste. Je lance directement le binaire ou le pointable si je veux. Voilà. Et dumper des vraies disquettes, voilà, l'idée c'est d'avoir un couteau suisse. En fait, on n'a plus trop besoin de poser des questions, en sachant qu'il y a plein de trucs qui sont pas faits, il y a des trucs qui sont faits, voilà, il y a des trucs qui sont en cours. Donc là, j'ai passé à la démo. Donc en fait, l'environnement, donc là c'est vraiment du réel. Hein. Moi j'ai toujours beaucoup aimé travailler sur réel. Donc en fait, pourquoi je précise l'alimentation? Parce qu'en fait j'ai des petits soucis. La 2 ampères, en fait, elle est un peu limite avec tout ce qu'il y a de connecté dessus. Donc peut-être que j'aurai le problème, je sais pas pendant la démo, on verra. En fait, donc il y a la carte. Donc j'ai pas connecté, j'ai pas soudé le connecteur SD card parce que je travaille sur le uniquement en USB avec le Pi, parce que c'est ma carte de dev. Donc une REC Atmos non modifiée, donc il y a un Pi 0 donc en version Wi-Fi qui est plugué sur le port USB. Donc la carte peut fonctionner en standalone, hein. Vous pouvez très bien mettre une USB ou une SD carte, ça marchera. Par contre, voilà, vous ne pouvez pas faire de drag and drop. Il y a un tome 2, donc en fait c'est un convertisseur de DB9 vers de l'USB qui permet de brancher en fait des joysticks USB. Donc en fait il y a un dongle Wi-Fi, dongle sans fil, pardon, avec un joypad Logitech, vous verrez sans doute, je vous montrerai. Un cumulus branché sur la carte fille. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le kernel et le shell, c'est par défaut, c'est sur le device USB, puisqu'en fait, on fournit deux versions de kernel, un qui est par défaut en USB, un autre en SD card.
Et donc, c'est toujours en cours de dev, donc vous aurez peut-être des bugs. Donc, voilà, j'ai pas réussi à tout finir cette semaine, désolé, mais pour la démo, mais je pense qu'on tombera pas sur les bugs, j'espère. Alors. Maintenant, est-ce que vous voulez mon. Ça, l'écran de avec l'ORIC. Avec une télé. Non, vous voyez peut-être pas, non. Si, mais il est petit. Ouais, très petit. Ouais, tout petit. Agrandir. Alors, tant mieux si vous voyez tout, du coup. Attendez, c'est plutôt une bonne question, je suis en train de voir. Vous voyez mieux ça? Allô? C'est mieux. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Mmh. Ouais, c'est mieux. Mais là, on voit impeccable. J'espère que ça... Bon, j'espère que bon, ça sera. Donc, ça durera 10 minutes. Donc, désolé, j'ai un peu du temps. Mais en fait, là, c'est vraiment sur elle. Donc, en fait, avant de commencer, donc, j'ai. Donc, là, le tome 2 avec un dongle qui est sur des pneus. Le pad, parce qu'en fait, je ne vais pas monter les fils avec vous, simplement. Et puis, hop, donc, le pyro qui est branché sur le. Sur le USB. Alors, le bordel. Cumulus qui est branché. Enfin, je pense que je crois que j'ai passé à la caméra en fait, pour que la position. Donc, en fait, j'espère que vous pouvez plugger sur le support. Donc, envoyez mon écran à un prompt. En fait, là, donc, par défaut, je vous montre. Un mode, en fait, je vois que je suis en port USB à droite, USB key. Et là, je suis toujours connecté en clé USB, donc c'est Raspberry Pi qui répond. Donc là, si je veux passer sur les tweets sur LED, là je vais faire un test. Il n'y a rien qui s'affiche que je passe sous le connecteur SD card. Et en fait, s'il y avait une SD card qui était dedans avec le connecteur soudé, en fait, on verrait les listes des fichiers sur la SD card. Oui, est-ce que c'est étranger à l'écran? Jérôme, je crois que depuis bien longtemps, en fait, on a l'image fixe alors que tu nous as montré tout le matos et on n'a rien vu. Ouais. Là, on voit juste l'écran sur le sharp symbol depuis tout à l'heure. Attendez, alors, du coup, mais autrement, on va essayer de faire ça. Bougez pas. Tes partages. Ah oui. Non, vous voyez ma gueule. Oui, bon, là, on voit un Jérôme. Donc, comme je disais, en fait, je suis passé de. Donc, j'ai fait un LS, j'ai vu la liste des fichiers sur la clé USB, qui est donc le PI qui m'a répondu. Après, je vous ai montré par un moment que je montrais que c'était la clé USB. Après, j'ai fait un tool-d pour passer sur la SD card. Et là, si je fais un tool-w, et ben, tool-u, pardon, et ben, en fait, ben, c'est genre, je reviens sur ma clé USB. Jérôme, si tu pouvais remettre ton téléphone en portrait, parce que ça, en paysage, en fait, il nous le met à 90 degrés. Non, c'était non, non, non. Reviens. Oui, là, c'est bien. Parfait. Moi, j'ai pas l'image. Hein? Moi, j'ai pas l'image. Remboursé. Là, vous voyez ou pas? Bon, ben, je comprends pas pourquoi vous l'avez en inversé un peu, voilà. Alors. Donc là, j'ai fait le LS. Donc en fait, maintenant, je vais attaquer la partie Basic 11. Donc en fait, on a fait quelques décisions. En fait, c'est le bordel hein, sur ma clé, hein, faut pas s'inquiéter. Parce que comme c'est du dev, voilà, c'est le foutoir un peu partout, parce que je teste plein de trucs, donc vous y tenez pas, vous appelez pas sur la racine. En fait, il y a plein de fichiers avec kernel bête, machin, ça c'est toutes mes ROM, donc vous inquiétez pas. Donc là, je vais dans la ROM Basic, et en fait, dans le répertoire Basic 11, en fait, et là, j'ai des points tap. Donc là, alors, je crois peut-être que je montre un truc pour ceux qui n'ont pas été pas la fois dernière. Quand je tape un banque, je vois cette banque qui s'affiche. En fait, avec tout ce qui est chargé, en fait, il y a la possibilité de passer en banque RAM. Ça, je vais le changer prochainement. En fait, on aura les sons de quatre banques qui s'afficheront. Mais en fait, là, je suis passé sur les RAM, les banques de RAM, en fait, et je change que la banque 4, 3, 2, 1, à l'affichage, en fait, qui sont dispo, qui est dispo, enfin, ces quatre banques-là, switch, et en fait, dans la prochaine version, en fait, il y a 64 banques qui s'afficheront avec cette commande-là, mais en gros, si je fais banque,
Là, en fait, la cam KT3, en fait, je l'ai initialisée avec des RAM vides. Et la deuxième, en fait, il y a un truc dedans, mais en fait, t'affiches n'importe quoi en signature, c'est volontaire. Et la 1, il n'y a rien. Voilà, mais en fait, là, il y a la RAM. Donc, si je refais. Je repasse en quand je fais banque, en fait, ici, sur la banque 6, on voit Auric Basic 1.1. USB joystick, donc avec la version 2020.4. Donc en gros, quand je tape Basic 11, en fait, ça va lancer cette ROM ici. Et là, j'ai accès en fait à ma ROM. Alors bon, c'est une ROM Atmos en fait. C'est juste que Christian, ce qu'il a fait juste, c'est qu'il a remplacé le paper par noir, mais c'est une ROM basique modifiée. En fait, on aurait pu le mettre en blanc, mais bon, en fait, avec un écran noir avant, passer en blanc, ça agressait un peu les yeux, quoi. Donc si je suis là, en fait, bah, je peux faire après normalement. Donc là, je suis dans le fichier. Je suis dans le répertoire Home Basic 11, voilà. Et là j'ai chargé ZipZap en une fraction de seconde, il y a 38 kilos je crois, et en fait voilà, ça démarre tout de suite quoi. Donc là on peut jouer si vous voulez, mais j'ai pas mon objectif pas de vous montrer que je sais bien jouer à ZipZap. Donc en fait après sur Basic 11, en fait les trucs qui ont été implémentés, c'est qu'on est capable de faire un reset, hein, j'appuie sur le bouton pour revenir sur le prompt. Ici, en fait, il y a un menu qui permet, en fait, une liste, en fait, qui permet de charger les programmes qu'on veut. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre, je démarre psychiatrique. Donc là, en fait, là, je démarre psy. Donc, en fait, ça, c'est les points tables qui ont des vrais fichiers de base, des fichiers DB, qui sont, en fait, stockés dans Varcache. Et en fait, c'est ces fichiers-là qui sont lus et qui sont chargés. Pour voir les définitions, quelle ROM il faut démarrer, quel mapping joystick, voilà. Donc là, je démarre psy. Donc là, en fait, c'est un peu plus long le démarrage parce qu'en fait, on a chargé une ROM basique en RAM. Donc il y a 16 kilos qui ont été chargés. En fait, donc ça, il y a un petit lag et après, on recharge le juste derrière, quoi. Donc là, et donc pour vous montrer qu'en fait, j'ai plus fait de POC. Donc voilà, je sais pas si on voit. Donc là, j'ai rien fait du tout. Et voilà. Et là, j'avance et tout, je joue au joystick, quoi. Ouais, vous avez un peu de lag, mais bon, vous inquiétez pas, moi, ça répond bien. Hein. Voilà. Donc, je peux. Voilà. Donc, en fait, tous les jeux, en fait, on essaie de les mapper. Et en gros, on a les joysticks qui sont déjà dispo. Voilà, c'est. En fait, la ROM est modifiée pour attraper les touches clavier, tout simplement. Et comme les routines sont à peu près similaires, en fait, sur la plupart des jeux, en fait, on est capable de les mapper, quoi. Donc là, j'ai perdu, tant pis. Donc là, c'est la partie basique 11. Je vais passer vite fait maintenant, alors je vais revisiter, en fait, l'outil de Christian. Donc là, j'ai dans Cédoric. Là, j'ai des fichiers DSK. Donc là, j'ai supprimé, parce que on a fait pas mal de tests. Hein. Donc là, j'ai supprimé un fichier ARS, donc en fait on peut extraire un peu ce qu'on veut. Donc là j'utilise l'outil je demande en fait qu'est-ce qu'il y a sur la disquette, sur le DSK, donc il m'affiche tous les ARS. Donc c'est uniquement les DSK non modifiés, on parle vraiment du concept qu'on ne veut rien modifier sur les données. Donc en fait là on a vraiment un vrai point DSK et en fait on lui demande affiche-moi le LS. Donc là maintenant je vais extraire maintenant DSK. Non. Étoile, point, étoile. Donc là, en fait, je vais demander de extraire moi, en fait, sur la disque, le point DSK ARS01, en fait, bah, tout ce qui commence par James étoile, point, étoile. Et là, on est en train de m'extraire James Bond, point, HRS. Donc là, par contre, c'est vraiment l'extraction. Donc, vous voyez, c'est comme si on prenait une extraction sur Auric Explorer. Par contre, là, c'est la vitesse de 6502, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'extraction est faite. Donc, vous voyez vraiment l'extraction, en fait, sur un SD card du fichier. Et donc, après, si j'utilise un outil vue ARS, hein, donc de James, voilà. Là, j'ai extrait mon fichier ARS, HRS, ici. Autre démo, maintenant si je fais. Non, ce serait mieux si je fais ça. Maintenant, si je fais. Non, c'est plutôt ici. Je reviens dans mon répertoire basique. Et
Et là, je vais -f. Donc là, en fait, là, je vais plutôt, en fait, à la racine de la SD card de la clé USB, j'ai mis une disquette FTDOS. Donc là, je lui demande en fait de m'afficher tous les secteurs, enfin tous les fichiers qui sont sur le point DSK. Donc là, bah, moi, j'ai bien envie d'extraire le drapeau. Point bas, donc extraction. Là, je triche un peu parce que non, je vais pas le faire tout de suite, pardon. Donc d'abord, j'ai écrit ça, poussage DSK, TDSK. Voilà. Et là, il va m'extraire en fait drapeau. Alors, je sais pas combien de secteurs, drapeau 42. Donc on va attendre. Donc là, il extrait, après il écrit sur la SD card. Donc là, vous voyez d'ailleurs que l'écriture est assez rapide. Normalement, les tirets, c'est les secteurs. Et les égales, c'est l'écriture. Donc maintenant, si je fais ça, donc là, il y a un outil qui a été fait par Christian qui permet de faire un list. Non, attendez. J'ai fait des mots, mais si j'étais sur un truc. Je supprime en fait le truc. Non, je recommence l'extraction, désolé. Désolé, en fait, j'ai un peu des moves pour taper parce que j'ai le téléphone qui s'est rehaussé, en fait, et ça me gêne. J'ai deux bouquins là qui me bloquent au niveau du clavier Atmos, donc j'ai un peu en galère. Oui, j'ai le même problème avec mon microphone. Ah, c'est vraiment la galère. Donc là, liste. Et là, en fait, je suis capable de voir le point basique qui a été fait, qui a été extrait. Ensuite, donc là, je resupprime. Et là, je refais une extraction un peu particulière. Donc là, j'extrais. Maintenant, je fais un tiret T. Et voir après le résultat. Ça, point DSK. Voilà. Donc là en fait je fais la même extraction, simplement j'ai rajouté en fait une option qui est tiré T. Et en fait et ben, je vais vous montrer après juste après ce que ça fait. Donc ça. Donc maintenant je démarre la RAM basique et maintenant je charge mon drapeau et voilà, j'ai extrait le truc et puis j'ai démarré un point basique en fait derrière quoi. En sachant que c'est du bol parce que ce fichier là il n'utilise pas les commandes FTDOS, donc c'est un peu du bol quoi, qu'on puisse se démarrer. Voilà. Autre démo, et en fait je me dépêche, j'ai pratiquement terminé. Comme ça je vous. Parce qu'en fait je commence à se faire tard. Donc comme j'ai dit, hein, ça va être très rapide, et comme j'ai dit, j'ai un cumulus qui est branché. Et en fait, je ne sais pas si certains ont vu les démos, la démo que j'avais faite sur Telstra où je démarrais certains softs avec une commande. Et ben là, c'est un peu pareil. Là, j'ai mon cumulus qui est branché, mais bon, on ne peut pas booter parce que c'est vrai qu'il ne va pas booter. Enfin, il y a plein de trucs qui ne peuvent pas booter. En fait, il y a une commande qui s'appelle bootfd. Et c'est parti. Voilà. Donc là où je mens un peu, c'est qu'en fait, il manque un petit truc dans le firmware. Pour pouvoir gérer tous les DSK, puisqu'en fait, le switching des banques n'est pas fait correctement. Hein, donc, en fait, il faut que je le corrige, ça. Mais là, en fait, en gros, là, j'ai BlackSet qui démarre. Et sur le hardware, donc, en fait, j'ai la. Comme j'ai tout. Désolé, j'ai coupé le son. En gros, voilà, en fait, en démarrant BlackSet, en fait, bah, je peux très bien faire l'implémentation pour ajouter la souris USB, les joysticks, ce que vous voulez. Voilà, on pourrait très bien dire qu'on fait une version Cedoric 5 avec un lecteur SD card qui se fait office de disque dur quoi. Donc en fait le cumulus marche en fait et là on en est à un stade où en fait on a un niveau Telstra au-dessus puisqu'en fait on a même le lecteur disquette qui fonctionne avec le cumulus quoi. Donc je vais finir par ça, je vais peut-être finir par dernier truc. Alors juste avant pour vous montrer, donc en fait comme j'ai dit, donc là il y a. En fait, ici, vous avez en fait, des fichiers DB, en fait, hein, tout simplement, .db. Et en fait, on voit en fait, que ici, ça, c'est, je reviens sur le Basic 11, en fait, on voit que là, il y a une mini base de données, en fait, pour dire, en fait,
comment il doit se débrouiller avec les points tap. Et enfin, dernier truc, et j'ai pas pu le finir, donc on finit vraiment par ça, en sachant que c'est buggé complètement, j'ai pas tout fini. Donc, il y a d'autres trucs à montrer, hein, mais j'ai voulu faire quand même assez court. Tirer G. Et là, on part sur un menu. Voilà, avec les softs dispo, quoi. Et donc, pour montrer que ça marche, alors désolé, voilà, je rencontre les bugs, en espérant que là, j'ai pas rentré dans ce bug-là. 3D fungus. Alors, le son, c'est aussi un bug, en fait, il faut qu'on supprime un truc. N'hésitez pas. Désolé pour le son. Alors là, c'est lent parce que c'est le jeu hein, qui initialise. Ouais, ouais, voilà. Et là, en fait, ça y est, je suis parti et j'ai 3D fungus. Alors, c'est vrai que j'ai marre du stick. Voilà. Donc, j'ai un menu, je démarre 3D fungus et les deux sticks qui marchent. Voilà. J'ai essayé d'accélérer le mouvement parce qu'il est assez tard. 23h, désolé. Voilà. Et donc, j'ai fini avec ce que j'avais présenté. Voilà. Donc tu disais qu'il y avait le support du Cumulus et peut-être Microdisc, mais donc a priori ça veut dire qu'on peut utiliser le Cumana Reborn avec ta carte. Normalement, mais j'en ai pas moi, donc je peux pas tester. Moi j'ai un Cumulus, donc je certifie que ça marche. Et le Jasmin, je vais le tester là cette semaine, parce que j'ai un problème d'alim. Mais normalement ça aurait marché, mais voilà. C'est surtout les problèmes hardware en fait qui posent problème. C'est pas les problèmes de compatibilité, en fait, c'est surtout avec les. Et en fait, la clock est beaucoup altérée sur en fait l'extension. Et en fait, quand on parle d'extension, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent déconner avec Phi 2, quoi. Donc, en théorie, on pourrait avoir un Auric Atmos avec la carte Twilight, avec un donc Jasmin Cumulus ou Cumana Reborn dessus, plus le synthétiseur vocal Auric, parce qu'on peut changer le mode adressage. J'ai testé, ça marche avec le micro-disque. Et sur le port imprimante, on pourrait avoir un 8-bit hub. On a fait une grosse alimentation, j'imagine. Ouais, par contre, on n'a pas rencontré le truc, mais par exemple, moi j'ai un problème d'alimentation avec 2 ampères. En fait, j'ai dû downcloquer le Pi, puisqu'en cause du tome 2, en fait, le tome 2 qui permet de faire le connecter le joystick, en fait, dès qu'il est branché, en fait, en gros, le Pi, il dit merde, en fait, et il reboot, quoi, indéfiniment. Donc, je vais débrancher parfois le tome 2, j'ai dû downgrader la vitesse du Pi pour qu'il consomme un peu moins, dégager le Bluetooth, quoi. Voilà. En fait, 2 ampères, c'est limite, déjà, pour tout ça, avec le Cumulus, plus le Pi, plus ci, à ça. Donc là, effectivement, il faut une grosse alim, quoi. Oui, bah, j'ai eu un problème comme ça avec mon micro-disque. Quand j'avais fait ma vidéo sur le micro-disque, mon alimentation RIC commençait à faire des gzzz horribles. Donc j'en avais acheté une sur AliExpress qui était censée avoir le bon nombre d'ampères. Et ça a marché nickel pendant au moins 3 jours. Et quand le jour où j'ai fait ma vidéo, la petite diode verte qui commençait à clignoter, faiblard, 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 et puis morte. Donc, bah, cela dit, avec le Pi 0, on peut avoir le Wi-Fi. Ouais. Jérôme. Ouais, donc, alors, non, pas. Alors, on pourrait très bien, en fait, avoir même ce que je disais, le Internet, en fait, hein, avec une vraie carte Ethernet, puisqu'en fait, si on dit au Pi, transforme-toi, en fait, en device Ethernet, et ben, en fait, il y a juste à taper le code de 6502 pour dire au contrôleur USB de converser avec le device, enfin, le Pi qui se comporte, en fait, en contrôleur Ethernet, et on a le TCP/IP qui marche, quoi. Mais par contre, il faut se taper le code, quoi. 6502, quoi. En sachant que j'ai deux trucs dans les cartons aussi, quoi. J'en parle pas, mais j'ai un truc dans les cartons, là. Voilà. Donc, oui, il y a des trucs mieux que ça, quoi. En plus rapide, en plus ci, en plus ça, quoi. Parce que mon exil, c'est quand même ça, soit rapide. Et voilà. Donc, oui, on peut, quoi. Et Jérôme, c'est quoi qui fait le contrôleur USB, c'est quoi comme chip? C'est c'est un truc chinois, le CH376, qui est un peu, bon, en fait, alors, il marche bien, mais par contre, la datasheet, enfin, c'est des Chinois qui ont écrit en anglais. Donc, autant dire que faut sortir les RAM, hein, des fois, pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et en fait, si j'ai pris ce chip-là, c'est parce que c'est utilisé sur le CPC. Les gros avantages de travailler ensemble, c'est qu'en fait, on discute ensemble, et les moindres problèmes, en fait, on en discute, et on est capable d'avancer sur les problèmes, quoi. Donc en fait c'est un chip qui est connu, qui a été porté sur différentes machines 8 bits d'ailleurs, hein. Parce que le gros avantage c'est que c'est un port parallèle,
En fait, il y a un port parallèle, en fait. Bon, il peut marcher en SPI, enfin, en SPI aussi, mais là, il est connecté en port parallèle. Et en fait, voilà, il a juste à balancer du bit. En fait, il n'y a que deux ports, en fait, un port donné port donné port de commande. Et en fait, on lui dit, ben, ouvre-moi tel fichier. Donc, on lui balance dans le port donné le nom de fichier, le répertoire, machin. Enfin, bon, je passe les détails. Et c'est relativement simple à programmer, quoi. Modulo la compréhension de la data sheet. Mais utilisé un peu partout, hein. Enfin, si vous tapez le truc, vous trouverez facilement sur CPC, sur Aquarius, sur je sais plus quoi. Enfin. Et donc lui, il fait contrôleur USB, quoi, aussi. Par contre, aussi, pareil, c'est spartiate. Hein. Pour comprendre comment faire discuter en USB, faut se taper le code, les exemples qui ont été faits par les Chinois, qui avaient été commentés en chinois. Voilà, donc, je vous décris la situation. Voilà. Voilà, et l'objectif vraiment de la carte, c'est vraiment tout s'intégrer. On met la carte et en fait, on fait tout, quoi. Il y a Steve qui voudrait savoir si la recherche, l'extraction peut fonctionner sur un device externe connecté. Genre, tu peux chercher quelque chose sur un DSK qui serait sur le Cumulus, par exemple. Alors, Christian, c'est pas connecté en dessus, non? Non? Non, il n'est pas connecté sur le Christian Lardière, non? Il est pas. Je sais pas. Non, ben, je vais regarder. Non, Ouais, pas l'air, parce non. que j'ai. Ok. En gros, l'idée du DSK utile, c'est de même faire des copies de disquettes et de lire, en fait. Enfin, on pourrait très bien. Enfin, on pourrait aller jusque-là, en fait. Après, j'ai pas ce qu'il a en tête, mais oui, techniquement, c'est possible. Mais là, pour l'instant, c'est pas fait. Je pense que la prochaine étape, ça va être vraiment de. Moi, j'ai des disquettes 3 pouces qui traînent. Mon objectif là, c'est d'arriver à dumper les disquettes pour les transformer en DSK, quoi. Donc là, le prochain objectif, c'est de dumper les disquettes et les transformer en DSK directement, quoi. Après, oui, on pourrait faire aussi, quoi. Parce qu'on propose Steve, enfin, c'est juste à coder, quoi. T'en as combien À des coder. zones de la nature, Jérôme? Alors, j'en ai foutu 10. Il y en a 10 dans la nature et j'ai freiné des cas de fer. Parce que la première, c'est que j'ai beaucoup de mal à les construire, honnêtement. Beaucoup de mal parce que c'est pas trop ma passion. Voilà, de faire la soudure et tout, machin, et de faire la logistique, envoyer les colis, machin. Bon, bah, je le fais avec plaisir, hein, mais voilà. Et le deuxième fait aussi, c'est que j'ai rencontré des. Donc, j'ai stoppé parce qu'en fait, j'ai rencontré des incompatibilités à cause de certains 6502 de certaines marques, avec des mix, en fait, entre des MOS et des. Avec des Rockwell, pardon, et des Synertec, les VIA Synertec et les. Donc, et ça, j'ai pas trouvé encore les datasheets pourquoi ça marche pas, les différences. En fait, là, carrément, la carte, en fait, à bout à moitié. Donc, en fait, ça marche quand on a du Rockwell en 6502 et du VIA enfin, du 6502 et le 7522 en Rockwell et Synertec pour les deux. Mais quand on fait un mix, en fait, ça marche plus. Et j'ai voulu stopper. Parce que ça me gonflait de faire des allers-retours pour dire que la personne marche pas, ça marche pas. Alors je l'envoie principalement, je le fais pour les personnes qui ont plusieurs ORIC. Comme ça, je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va retomber sur un ORIC qui marche. Mais voilà, voilà. Donc là, j'ai un peu stoppé. Et puis en plus, j'avais plus les PCB de toute manière, donc ça a réglé le problème. J'en avais plus là, j'en ai recommandé. J'ai reçu justement aujourd'hui, j'en ai eu 10. Voilà. Mais c'est pas genre. C'est pas Amazon, quoi, en fait. Ça fait penser au problème du cumulus où il y avait des problèmes selon si tu avais des ROM ou des EEPROM, ou le type de RAM chip que tu avais. Il y a eu plein de problèmes comme ça. Alors, ouais, alors il y a eu plein de problèmes, il y en a toujours. Et en fait, le lecteur disquette qui marche, je sais plus qui l'a fait, fret de, je sais plus combien, 72 ou 92, je sais plus. Lui, en fait, il a un peu triché. Pour que ça marche partout, en fait, il a rajouté un condensateur, en fait, à la sortie de PHY2. Pour rallonger le signal de PHY2. Et en fait, du coup, en faisant ça, en fait, j'ai l'impression qu'il s'affranchit tous les problèmes en fait de compatibilité. Voilà, il y a des gruges. Moi, je l'ai pas fait en fait. J'ai pas foutu de pull-up, j'ai pas foutu de condensateur. J'ai pour essayer de tricher quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi que j'ai pas voulu en fait tricher comme ça quoi. Voilà, donc, et Cumulus, je crois Question. qu'il a le même problème. Hein, ouais. Question par rapport au DSK utile. Techniquement, là, en fait, tu utilises DSK utile pour en gros utiliser des fichiers DSK comme si c'était des zip en gros, où tu extrais les trucs. Ouais. Est-ce que ce serait moyen de faire ça de façon abstraite? C'est-à-dire que les commandes où tu peux par exemple afficher un fichier AHRS, de pouvoir le charger aussi directement depuis un DSK, sans avoir à faire l'extraction manuelle, en gros, que ce soit fait automatiquement en interne.
j'ai pas du tout compris la question. J'ai un DSK, j'extrais le HRS. Si tu utilises Windows, par exemple, tu as un fichier zip. Tu peux extraire le zip dans un répertoire, mais tu peux aussi rentrer dans le zip comme si c'était un répertoire et accéder au fichier directement. Dans la question, ça. En fait, c'est là, par exemple, le HRS, en fait, il voulait faire en fait l'affichage directement, en fait, mettre une option pour afficher le HRS, quoi. Mais ça, pendant la question, tout ça, c'est vraiment lui. Voilà, comme si ton DSK c'était un répertoire, en fait. Alors, les montages. Voilà. Ouais. En fait, c'est la prochaine étape. Bon, ça, en fait, on avance un peu sur ce qu'on doit faire. Mais en fait, en gros, c'est carrément de faire des montages, quoi. En fait, de faire des mounts, en fait, de DSK. En fait, en disant que c'est du jasmin historique et tout, quoi. Et ça, on a prévu de le faire. On pourrait le faire pour d'autres trucs, mais oui, l'objectif, c'est de monter un DSK ou de monter un micro disque et tout, quoi. Voilà. Read-only ou read-write? Ah bah, en fait, non, read-write, hein, en fait. Là, en fait, je vois pas de contre-indication. Enfin, voilà, techniquement, il n'y a pas de blocage, quoi. Par contre, il faut le coder, quoi, toujours pareil. Mais oui, voilà, en fait, c'est la compatibilité historique, compatibilité FTDOS, etc. Cool. Voilà, j'ai vraiment l'objectif. Enfin, vraiment, mon objectif, c'est d'avoir un seul truc et tout marche. Hein, voilà. Donc là, par contre, il y a beaucoup de code. Et comme en fait, on fait tout en assembleur, autant dire que c'est pas la même que si on le faisait en C, quoi. Voilà. Honnêtement, pour ceux qui font beaucoup d'assembleurs, je peux passer des heures et des heures sur des bugs à la con. Pour ceux qui savent et qui font que des assembleurs et tout, donc, ça peut être très très long, quoi. Donc, mais l'objectif, c'est vraiment que ce soit le plus rapide possible et on rentre pas dans les travers de. Du PC, je vais dire, notamment avec des boots, enfin des boots interminables, des trucs comme ça, quoi. Surtout pas. Autre question. Donc, ouais. Donc, si j'ai bien compris, donc t'as deux fois 512K, 512K d'EPROM et 512K de SRAM. Oui. Si la RAM elle est sauvegardée, en quoi c'est une différence avec l'EPROM, en fait? Pourquoi c'est pas un méga de SRAM? Parce qu'en fait, pour peu que tu n'aies plus de piles, en gros, tu peux plus booter ta machine, quoi. En fait, l'EPROM sert principalement en fait à du stockage pérenne, enfin du code pérenne. Donc en fait, tant que tu fais pas de conneries sur ton EPROM, tu peux toujours booter. Tandis que si tu es de la SRAM, le jour où tu n'as plus de piles, tu es bon pour ressortir ton EPROM parce que tu peux plus booter, quoi. Ok, mais c'est la seule différence, en fait. Ouais. Oui. Après, en fait, il n'y a pas de protection sur les proms, en fait, pour la zigouiller les proms. Il y a comme une combinatoire, en fait, pour ceux qui ont déjà programmé des proms, pour Fabrice. En fait, il y a une séquence pour la déprotéger. Donc, en fait, pour la cramer, les proms, il faut quand même vous le vouloir, en fait. Hein. C'est vraiment volontaire. La statique RAM, en fait, il n'y a pas de notion de. Bon, moi, j'ai pas fait de mécanisme, en fait, de lock qui est fait sur la RAM card. En fait, ils ont des switches qui permettent de bloquer certaines banques. Pour empêcher l'écriture, moi je ne l'ai pas fait. Donc en fait, si on veut écraser une RAM, on peut, quoi. Il n'y a pas de notion de protection d'écriture, quoi. Voilà. Et après, on pourrait monter à beaucoup plus que ça en ROM, hein, en fait. Hein, je pourrais monter à 2 mégas si je voulais, 2 mégas de SRAM, 2 mégas, enfin voilà, c'est infini, quoi. Parce qu'en fait, j'ai prévu pour monter jusqu'à 256, combien, enfin, que je compte, mais enfin, un peu cumulé, mais bon, en fait. On n'est pas au même niveau que le CPC, où en fait, le CPC, ils ont plein de codeurs qui font plein de ROM. Et en fait, quand on va dans les codis, en fait, ils chargent ci, ils chargent ça. Non, on n'est pas du tout là, quoi. Voilà. Même si, en fait, alors, j'ai pas voulu le montrer, j'ai peu le temps de le finir, mais toutes les ROM qui ont été faites par Fabrice, André ou Claude, en fait, on a pu les charger, là. Toutes celles qui traînent sur Rec.org, que André a remis sur Rec.org, on peut les charger sans passer en problème, quoi. Toutes celles qui ont été faites, les ROM avec les basiques modifiées, tout ça, quoi. Il n'y a aucun problème pour les charger, quoi, en RAM. Là. C'est bon pour moi, désolé, parce que du coup, on fait pas mal. Mais... Et il existe une espèce de manuel utilisateur, là, même si j'imagine que ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Alors, tu mets le doigt. Bon, d'accord, j'ai rien demandé. Fallait pas l'inviter. Alors, j'ai un gros défaut. C'est que les docs, en fait, j'essaie de les écrire sur Oryx pour Oryx.org. En fait, il y a plein de trucs qui manquent. Et en fait, j'essaie de le faire, mais. Non, c'est, enfin, oui, il faudrait, alors, je pense que j'ai le temps d'écrire un Simon. Enfin, j'essaie de le faire. Non, te presse pas, j'ai pas le temps. Et voilà, en fait, non, il faudrait, mais en fait, en gros, il faut aller sur oryx.org, il y a plein d'astuces.
y a plein de trucs qui existent en fait et qui sont pas écrits en fait, qui sont que dans ma tête et tout quoi. Voilà, ou celle de Christian quoi. Donc il faudrait qu'on l'écrive et tout, que je me force. Je le fais des sessions, là de toute façon, on va faire une release au mois de janvier, en fait j'ai essayé d'écrire un maximum de choses. Et par exemple, ce qu'on m'a reproché aussi sur le site Oric.org, c'est qu'en fait je mélange des notions de manuel et de démo, quoi. Je montre des vidéos de YouTube en disant que ça permet de faire ça. Et aussi je mélange aussi des informations de manuel, enfin de sorte de manuel. Donc en fait là-dessus, un gros effort à faire, quoi. Ouais, enfin, t'es en cas de dev, tu peux pas avoir une doc finalisée et parfaite alors que t'es en cours de dev, quoi. Ouais. En revanche, Simon, t'as mon numéro de téléphone, donc c'était bloqué. N'hésite pas à m'appeler. Est-ce qu'il y a des plans pour sortir le hardware en open source, tout documenté? Non, pour l'instant non. Parce qu'en fait, ce que je dis pas, c'est que j'ai d'autres trucs dans les cartons. Et là, j'en sors un nouveau truc en plus. J'ai pas ce qu'il y a dessus. Voilà. Mais en gros, en fait, mon objectif, c'est de garder la main dessus pour éviter que ça parte dans tous les sens. Est-ce qu'en fait j'ai plein d'autres trucs qui vont sortir là? Il n'y a que Christian qui est au courant d'ailleurs. Je dis rien. Si le hardware devenait ouvert, enfin, je pense qu'il y aurait peut-être plus de personnes qui seraient en capacité de produire la carte et du coup favoriser son essor, parce que là, si ta capacité à produire de la carte elle est limitée, ça limite un peu le déploiement de ton produit, qui est quand même une révolution un peu. Ouais, après je peux faire les bords, hein, honnêtement. Mais en fait, c'est vrai que quand même, je préfère beaucoup plus coder, faut dire honnêtement. Je m'écarte beaucoup plus à coder qu'à souder des cartes et envoyer des colis. Honnêtement, ça. C'est sûr. Voilà. Mais je peux faire l'effort. De toute façon, j'en ai 10 là. Je peux faire l'effort. Parfois, j'en fais, en fait, parfois ça me vient. J'ai du temps, 2-3 heures devant moi, en fait. Bah, je me fais une après-midi soudure. Youpi. Voilà. Ouais. Voilà. Non, après l'objectif, en fait, je pourrais très bien la faire construire, en fait, honnêtement. Je pourrais, en fait, là, je fais fabriquer FPCB, ils font aussi l'assemblage, quoi. Mais je l'ai pas fait, parce que aussi, voilà, il faudrait que je m'en occupe, quoi. En fait, il y a plein de trucs, il faudrait que je m'en occupe. Hein. Voilà, vous avez sans doute ma réponse à cette réponse-là souvent. Voilà. Pareil, problème de temps, tout, quoi. Donc voilà, pour open source, mais en fait, voilà, je peux faire l'effort si vous voulez, pour ceux qui demandent et tout. Voilà, je fais l'effort sans problème, quoi. Non, si c'est plutôt dans le cadre où s'il y avait un problème, style t'abandonnes le projet, ce serait bien. C'est pour ça qu'on a pu avoir les QMUs de metadata. Quand Retro Master a abandonné. Non, c'est uniquement dans ce cas-là. Ouais. Non, mais là, j'abandonne pas. En fait, il y a plein d'autres trucs qui arrivent. J'en ai pas parlé, mais qui font. Voilà, j'ai pas de démo à montrer, j'ai quelques trucs qui marchotent, mais voilà, je vais pas montrer, mais il y a d'autres trucs qui arrivent et tout, mais voilà, je me focus pour l'instant sur l'hardware de la carte là. Alors autant tes premières versions qui n'étaient pas compatibles, Cumulus, Microdisc, ça m'intéressait, mais alors pas du tout, parce que moi, si ça ne fait pas tourner mon software d'origine sur mes disquettes d'origine, ça m'intéresse pas, c'est un vrai Oric. Autant ta version là, si elle peut faire tourner effectivement des vrais lecteurs, lancer les trucs non modifiés tels quels, et après éventuellement effectivement copier les DSK, faire tes bidouilles, etc. Là du coup ça me va. Sachant que. Donc là, souder Jérôme maintenant. Ah, voilà. Non, mais je vais attendre la super version avec le 65816 à 66 MHz et tout ça. Tu essaies de me tirer vers du nez, c'est ça? Parce que en fait, j'ai le truc devant moi, mais bon, en fait, il faudra que je baisse la caméra, mais j'ai un autre truc aussi, quoi. Voilà. Personne n'a parlé des 4096 couleurs. Hein. ni du scrolling hard, le curseur de souris hardware. Alors, le curseur de souris hardware, tu parles d'affichage. Ouais. Parce que sinon, sur les cartes là, comme je l'ai expliqué la fois dernière, en fait, il n'y a pas de calcul en fait. Hein. En gros, c'est le hardware qui définit. On interroge une première fois, on donne les positions. La prochaine fois qu'on interroge, il donne le delta X, delta Y. En fait, on fait aucune soustraction, en fait, on fait aucun calcul. Hein. Je sais pas si vous savez comment ça marche, les joystick, la souris sur Telestra. En fait, c'est des décalages de bits, ou même sur Amiga ou Atari, c'est des décalages de bits. Simplement, il y a un CPU qui le fait, qui fait le calcul. Mais là, en fait, le contrôleur le fait automatiquement en hard, quoi. En fait, il dit, voilà, maintenant, je suis à telle position, on a cliqué là-dessus, voilà. Donc, c'est. Oui, mais ça donne de la souris PS2 qui te retourne directement les unités en Mickey. Voilà. Donc ça marche. Par contre, effectivement, l'affichage de la souris, non, en hard, non, ça... Mais bon, j'en dis trop, hein, mais voilà.
J'ai déjà réussi à obtenir que le gars qui bossait sur le 8-bit hub change le fonctionnement de son système de souris. Parce qu'en fait, il faisait les calculs en interne dans son truc pour standardiser sur un format style 160x200. Et je lui dis non, donne-moi les vraies coordonnées. Mon ORI qui fait 240x200, si je veux faire un programme de dessin, ton 160$, ça ne m'intéresse pas. Donc, il a changé le truc. Maintenant, il retourne les données en plus ou moins relatif et tu fais le calcul de ton côté, ce qui est beaucoup plus utilisable. Donc là, le CIP le fait tout seul. Hein, voilà. En fait, le CIP fait beaucoup de trucs, mais alors par contre, faut y aller hein, sur la doc. Il hein. faut vraiment comprendre et tout. Il manque des mots des fois. Donc, voilà. Donc Simon, je ne sais pas, tu avais un truc à dire. Peut-être, je ne sais pas, non, j'ai l'impression. Non, rien de plus. Je n'ai pas encore réussi à tester l'envoi que tu m'as fait, que j'ai reçu dimanche. Ah, là, ouais. Mais... D'accord. Voilà. Okay. Voilà, bah, c'est bon pour moi. Hein. Du coup, moi, c'est pas d'autres questions. J'en ai peut-être encore une, Jérôme. Donc, il y a le CH376 là, qui est le contrôleur USB, et puis derrière, tu mets encore un Raspberry Pi. Et ouais. Est-ce que le Raspberry Pi, sur le port GPIO, il n'aurait pas pu directement en fait, servir de contrôleur USB ? Oui, mais si, j'aurais pu, mais c'était entre guillemets triché, puisqu'en fait, je voulais vraiment un truc qui soit standalone, quoi, pas avec un Pi derrière. Quoi. En fait, là, le Pi. C'est une excuse pour le drag and drop. En fait, on dit le Pi, en fait, l'ORIX, je peux pas mal travailler avec un Pi, quoi. Mais oui, j'aurais pu le faire, ouais. En fait, mon raisonnement, c'est que je veux pas, en fait, utiliser un Pi directement, quoi. Là, c'est, ouais, j'ai préféré me focaliser pour qu'en fait, le hardware soit intégré sans avoir besoin d'une machine à côté, quoi. Ouais, bon, enfin, un Pi, donc 0, je veux dire, c'est un tout petit module. Bah, un gigahertz quand même, hein, donc, surtout ça qui me perturbe, c'est qu'en fait, du coup, il tourne quand même un gigahertz et tout, donc, ça me perturbait d'avoir un. Là, j'utilise vraiment pour faire tricher sur le gadget, hein, c'est tout. Hein. Donc, voilà, c'est plus des questions philosophiques, hein. Je me pose un peu toujours les mêmes questions aussi, mais le CH376, c'est pareil, c'est un microcontrôleur donc qui est quand même assez puissant. Il tourne à 12 MHz hein, comme lui-là. Hein. C'est pour ça qu'en fait, du coup, ça me perturbait moins. Quoi. En fait, en gros, c'est un petit microcontrôleur, mais simplement, voilà, il tourne à 12 MHz, je me suis moins stressé à l'utiliser. Quoi. Oui, ça reste dans la même catégorie de puissance au niveau hardware. C'est pas comme prétendre que tu es toujours sur un ZX80, mais derrière, tu es connecté à une Silicon Graphics. Après, c'est une question de philosophie. Hein. Je pense que je vais prendre l'analogie de Jonathan. Enfin, à la fin de sa vie, il considérait que l'ORIC, avec le lecteur disquette, c'était pas un ORIC. Quoi. Il avait sorti ça, et en fait, il voulait plus entendre parler de disquette sur l'ORIC. Hein. Et c'est pour ça qu'il essayait de sortir The Times of Lore en fait, que sur point tap. Et c'était pas possible techniquement. Et en fait, du coup, il y a toujours ces philosophies-là qui se confrontent. Je sais que Bruno, par exemple, à une époque, par exemple, je ne sais pas s'il nous entend toujours, Kenneth, là. Bruno il voulait utiliser que des composants qui existaient à l'époque, en fait, de l'ORIC. En fait, ce que je voulais, ouais. C'est que l'ORIC reste au centre de la machine puissante quoi, qui pilote tout et de voir qu'est-ce qu'il était capable de faire une gestion d'une mémoire moderne. Ça peut être USB, carte SD. Là, je vais essayer de voir si je peux lire une souris en PS2. Bon, c'est pas compliqué. Hein, c'est le protocole PS2, c'est du synchrone. Donc, je crois que ça tourne à 10 kHz, donc on va pouvoir faire quelque chose avec. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment garder l'ordinateur au centre du truc, quoi. Parce que si je mets une machine moderne à côté, comme un microcontrôleur ou un Raspberry, je vais avoir quelque chose de plus gros à côté. Donc, le RIC, entre guillemets, il sert plus à grand chose, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc, c'est pour ça que j'utilise vraiment des vieux circuits pour voir si on peut faire quelque chose avec la machine d'origine. En gros, en fait, je pense qu'on est 17 sur le pont. Je pense qu'il y a 17 personnes qui ont des avis différents. Si je parle du 65116, il y en a qui pensent qu'ils vont même pas entendre parler. Si je parle de ce que je suis en train de faire, il y en a qui disent que c'est pas un ORIC non plus. Enfin voilà. En fait, je pense que tout le monde va avoir son petite opinion, quoi. Alors, donc c'est vrai qu'après c'est des questions philosophiques. Enfin, c'est vrai que moi, on a chacun un objectif.
On a chacun un projet, un objectif, une manière de voir les choses et de se dépasser en disant, tiens, je vais essayer de faire, mais à ma façon. Et c'est vrai qu'on a chacun une manière de voir les choses. Enfin, voilà, quoi. C'est tout pour moi. Hein. Merci Jérôme pour la présentation. Oui, et encore bravo. Hein. Oui, bravo. Merci. Bravo. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier une dernière fois Grégoire, Patrice et Jérôme pour leur présentation. Juste un petit complément pour Michael. Max Duino ne lit pas les points web. J'ai essayé là. J'ai mis des points web. SD, il les a pas lus. Jérôme, il y a Steve qui demande where he can buy an Oryx. C'est-à-dire la carte, c'est ça? When, en fait, quand est-ce qu'il peut en acheter un? Me contacter en sachant que j'ai une liste d'attente en fait. Voilà. Donc problème et tout. Ouais, pour me contacter après, ça arrivera un jour. Et pour les amateurs et abonnés au CEO, d'ici Noël devrait sortir le dernier mag de l'année. Il y a une version brouillon qui traîne là. Il va taper 80 pages. Hein. Donc, il y aura de la lecture pour Noël. Bon, allez, merci à tous. Passez une bonne fête de fin d'année. Faites attention à vous. Gardez la santé. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo virtuelle le 12e vendredi du mois de mars. Hein, regardez le trimestriel, puisqu'a priori, on sera toujours confiné. OK. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Salut. Merci, c'était génial, bravo.